Nomil Ramo, nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, peuple haïtien, rentré dans le pays. Déjà, il y a une opération la police qui prépare dans la zone Delma, que Nomil Ramo pas même au courant. C'est haut état-major police là qui travaille pour des oligarques corrompus qui prépare l'opération ça pour aller touiller Jimmy Cherizier barbecue. Barbecue Jimmy Cherizier annoncé une guerre civile dans le pays à peuple haïtien. Et qui a commencé entre Delma 6 et Solino. Ça veut dire qui ça? Des policiers amis, anciens amis Jimmy Cherizier barbecue qui compte vendre des armes, qui compte vendre des balles. Jodien qui décide de prendre l'argent dans des oligarques corrompus pour aller tuer barbecue. Barbecue dit pas prêter bois croisé. Et police ça dans Solino décide pour prendre population hein, pour venir battre avec moun Solino pour capable aider tuer barbecue. Peuple Delma 6 décide pour le kebe manchette nan main pour camper dans d'autres Jimmy Cherizier pour le contrecarrer police Solino avec peuple Solino. Ça veut dire qui ça? Son véritable canage guerre civile qui va déboucher en dedans pays là. Est-ce que nous parle pour ça? En dernière émission ça nous pral connaître en pile causé. Jodien c'est exactement 17 juin 2024 publié sur plateforme Poland qui sur plateforme YouTube Info Bertoa. Commandant Guy Philippe, chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là, li parle. Et il dit exactement ça n'était qu'on a dit dans l'émission. Et m'te dit, nous vins là nous-mêmes. Nous pas vins faire opposition. Dans le micro, tant qu'on vole Radio Zenitio, ban gang 400 maozo Zenitio, ban gang 400 maozo Jamonayo, ban vole dans le micro de Haïti. Gari koni vins là, avec tout groupe moun yo et moun ki mette yo, m'pap jam vins demande pep pour lever campé, boule kaoutchou en face li. Négatif. Et c'est ça comme Guy Philippe dit, n'ap kite yo avancé. N'a pas quitté au travail et puis nous voulons bataille. Nous voulons le bataille pour nous démanteler à travers les élections. Et c'est là ça. Nous voulons dire que qui est-ce qui est capable de candidat à qui est-ce qui va être candidat. Gary Koni, fais sauver. Pays ou dans mon, fais Chelbert Kaleboudor, j'ouvre les garçons. Mais sauf que, vous ne pouvez pas connaître. Jouffe la tombe dans l'eau, ce n'est pas jamais juste à le bourri. Pas qu'il n'y ait pas de menti là. Ou vine là, vous gagotez l'argent de l'État. Tout privilège dans mon, mais gang dans terre. Mais n'est-ce pas 20 amis, mais n'est-ce pas 20 balles, ça n'a pas fait avec vous. Ou à parler de barbecue du Michel Izier, ils ont-ils appelé? Mais n'est-ce pas 20 amis, mais n'est-ce pas 20 balles là, mais yo là, ça n'a pas fait avec vous. Mais politiciens qui te baillent amis, mais politiciens qui te baillent balles là, ça n'a pas fait avec vous. Mais n'est-ce qui monte photo 69 là, qui te trouve par quel policier, ça n'a pas fait avec vous. Mes amis, vite l'homme dénoncé, ça n'a pas fait avec vous. Ou qui te yo là, docteur Koni, comme nouveau premier ministre pays d'Haïti, ou c'est petit, docteur Koni, yon duvalieris. Yon duvalieris 100%, yon homme de caractère. Docteur Gary Koni, ou se petit docteur Koni, c'était papa, c'était médecin, c'était docteur François Duvalier. Son moun qui te gen caractère. Non sa li pa pou Gary. Respecte Koni yon, et fait valeur davantage Koni yon. Kite Koni la pou petitou. À travers action qu'on va le poser, dans la coupe d'Haïti, Napoel, il y a clair devant yeux non. Il y a un pile causé qui pourrait passer en dedans pays. Peuple haïtien, année l'école, ça qui va venir là, qui va commencer à partir de mois de septembre, ça qui va venir là. Pas d'excuses. Nous-mêmes, qui avons constitué, nous-mêmes dans la révolution pour libération pays d'Haïti, que le commandant Guy Philippe a mené, l'idée de Jabay Modo de l'homme pour le dire là, on va le passer là tout à l'heure. Nous pas pral faire opposition craser briser en face gouvernement Gary Koni. Nous pas là-dedans. Raison simple, pour ne pas ba nous responsable rien qui pral passer dans pays ya. Faut que ti moun yo aller l'école. À partir de mois de septembre k'ap vin là. Nous pas pral craser briser, nous pas nan bagay lock, nous pas nan bagay manifestation. N'a préparé nous pour aller droite vers les élections. Référendum, élection. Et c'est ça qui intéresse nous, c'est là. Pour nous finir avec le système définitivement. Et puis nous avons qui est ce qu'il y a en face nous. Peuple haïtien, c'est comme ça qu'on a fait. Une politique éclairée. Nous ne pouvons pas faire révolution pour les âmes pour nous démanteler assassins. Peuple n'a pas sous ça. Et comme Anna Guy Philippe dit le tout, moment pas propice tout. Peut-être qu'un leader, un militaire, il doit pas faire comme ça. Mais si peuple n'a pas tout, pour le faire, un Sri Lanka, quand il peut bourrer 2 millions de monde, 3 millions de monde, 4 millions de monde, pour te bourrer dans Port-au-Prince, le problème n'a pas résolu. Là, bon, pas une personne qui a empêché ça. Mais Jean, moi, peuple, ça n'a pas de problème, bon, seul bagage qu'on va faire. Traverser pour nous aller droite vers les élections. Il y a un pile causé qui pourrait parler en dedans de l'émission, ça, je dis. Jean me dit, là, commandant Guy Philippe annonce la couleur. Première partie que nous prenons et faut entendre là, c'est l'intervention du commandant Guy Philippe dans le micro, vérité avec tel fort, qui est extrêmement important pour que nous faut entendre. Première partie. Et nous avons tout mis le commandant Guy Philippe sur l'écran.
En attendant, pour nous parler fort de l'intervention qu'il fait. Parce que nous gagnons des points pour que nous-mêmes, nous avancions tout, suite avec l'intervention commandant et Guy Philippe. En avance, Guy Philippe à l'appareil. Partagez, commentez, like et puis abonnez sur Faites Monter. Nous allons traverser dans plusieurs autres dossiers en dedans la République. Arabe lan, alors, m'a tout dit nous que Arabe a lancé une liste à vide recherche. Derrière, on sait des nègres avec femmes qui baissent âme, qui n'ont tout le président, qui fait tout cas de crime dans le Brésil. Liste ça libre le public, Arabe va parler là tout à l'heure. Rete là. Rosemont Jean, comment nous y est? Nous allons tourner sur vous. D'entente nationale, frère, mais que vous-même, nous avons signature en bas note là qui écrit, et j'ai déjà dit, le président de la Haute Cour de justice kenyane, et bien sous demande ça pour refus de déploiement des forces kenyanes en Haïti, et qui n'actualité a qui font pile remous, en pile moun a parlé de qui ça bagalaye. Faut-il bien, c'est vous-même qui t'a expliqué nous, qui ça question aye, qui ça nous doit comprendre, qui sont qu'a dit population sous démarche ça, matin en amico vérité. Bon, je pense que responsabilité, on est qui dit son leader politique, c'est garder pour voir comment le cabotier pays dans sa lia. Et nous prenons quatre occupations et militaires et de 94 à nos jours. Il n'y a pas utile pays à rien. Amérique envahi, occupé pays d'Haïti depuis combien de temps. Et puis après un an, quand on dérape, pays a vint plus mal. Donc ça n'a pas cherché nous-mêmes, c'est solution durable. Oui, moi, j'aime des îles déjà. Et nous écrit, et c'est pas moi-même, c'est l'équipe là, et moi-même, c'est moi qui signe. Et nous écrit, la justice kenyenne, nous écrit et OEA, Organisation des États américains, OEA également. Nous écrit l'ONU, okay. Et nous écrit États-Unis, nous voyons pour le Congrès américain, nous voyons pour la Russie, nous voyons pour la Chine, nous voyons pour l'Union africaine, pour nous dire et dénoncer qui ça, États-Unis d'Amérique, a essayé de faire en Haïti, a fait en Haïti, okay. Et qui vient tourner en frein pour le développement pays. Donc là nous clair, alors des débats qui clairement dit, m'pa konnen sou ka énumérer quelques bails rapides pour nous là pour mieux capi bien comprendre, des bails que nous dénoncer clairement à nous gens dit là adressé à ces institutions. Bon, premièrement, yo voyons une mission multinationale qui va même en mission onusienne. Ça veut dire une série de nous pas réclamer. L'exemple qu'a vu là, yo crasé, yo brisé, il pas aucun cadre légal. Deuxièmement, moun qui invité dans pays il y a pas président public. Il n'y a pas de responsabilité. Ça. C'était Ariel Henry qui est ton premier ministre. Il n'y a pas de chef de l'État. Donc, loi internationale claire. Donc, Ariel Henry n'a pas aucune capacité légale pour inviter troupes étrangères à rentrer dans le pays. Non, il n'y a pas aucune légalement. Il a le droit pour inviter troupes étrangères dans le pays. Et tout ça, tout ça a fait. Pas un monde qui a bien fait, pas un monde qui est sûr de qui ça a bien fait. Tant aujourd'hui, il a venu de sécurité dans le pays, tant aujourd'hui, non, il a même venu là, puis il a venu protéger l'aéroport, et puis il a venu de l'ambassade, et le ministère, le palais national, rien sérieux qui a bien fait pour venir des populations. Et sous ça, sénateur, j'ai l'impression, même le conseil présidentiel qui est là, pas de contrôle sous bagaille là. Dernièrement, il y a des informations que tu as partagées ici. Il y a l'impression même les six Voltaire, il y a un conseil qui descend en bas. C'est accès que tu as besoin pour le garder. C'est un accès pour le balayer, pour le garder, pour le connaître ce qui a passé dans la base là, comment la base a construit. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle ni information de ce qui a réglé en réalité. Non, ce sont des ordres totales. Et tout le monde connaît que l'intervention force à la vie là seulement pour venir défendre l'intérêt oligarque haïtien. Avec intérêt ambassade américaine. C'est pas rien que l'on vient faire. D'ailleurs, après, comment il pouvoir mettre en place là, c'est l'ambassade américaine même qui fait. Tout le monde voit que c'est sous pression américaine que pouvoir ça, que c'est conseil 9 membres, que c'est premier ministre là. Tout le monde connaît que le premier ministre, il était premier ministre. Il a retiré pour question CIRH, COB qui a été débloqué et pour reconstruction Haïti. Et que yote di famille Clinton, c'est lui qui représente intérêt yo, bah yote mal passé, en pile yote même accusé, d'ailleurs te gen mandat d'elle pour ça, c'est le 16 mai avant là, pour le cas rentrer en Haïti, yote tiré mandat. On parle de Gary Goni. Gary Goni, 16 mai qui sont passés là, que pour le cas vine là, premier ministre, il y exige pour yote tiré mandat, et yote tiré mandat, immédiatement. Donc, pas un monde qui égaré, même l'autre de dernièrement, soit disant en discussion, entre CP et Premier ministre sont bluffs. Tous deux gagnent même mettre. Tous les deux gagnent même mettre. Oui, tous deux entités gagnent même mettre.
tout y a travaillé pour même monde. Celle ça vient faire là c'est piller Haïti et puis craser pays. Donc moi écrit lettre là, moi écrit lettre en responsabilité et à l'équipe moi pour nous dénoncer bagaille ça, pour nous demander pour bon aide. D'ailleurs, yo dit a voyer 2500 militaires. On a plus que combien 100 000 jeunes haïtiens qui t'a aimé rentrer dans l'armée, qui t'a aimé servir pays. Nous gontien pour l'armée d'Haïti. Dans l'état nous écrit lui, nous disons pour ça on pas renforcer l'armée d'Haïti avec police nationale à comme ça qui a bien dépensé pour équipe nèg c'est boire a bien boire violer monde bay choléra bay maladie et puis tourner la caillou. Donc moi dis yo pour ça on pas investir avec l'agence ça pour yo faire l'armée dans vinn jam pour faire police nous en vinn jam bay nèg yo formation équipe nèg yo pour nèg yo même yo cap faire face à criminalité que Haïti a vive et jodi là. Donc c'est ça nous dit nous nous expliquer maintenant pour dépenser avec comme ça notre cap bon l'armée sérieux dans le pays, avec comme ça, nous avons bon police nationale bien équipée, bien entraînée, qui a aidé nous à jouer une solution de façon durable à problème insécurité. Ça, ça, ça nous devons connaître, sénateur, et monsieur, c'est à propos de ce que nous avons fait pour nous renforcer la police. Alors, et pour le monde qui fait compter là, c'est le commandant Philippe qui parlait jeudi à la même, il était parlé dans le micro et émission et tel fort avec Vladimir Apé. Animé dans radio et télé éclair jodi qui c'est 17 juin 2024 là et li important pour que nous tendez et puis partager émission tout d'abord parce que nous avons plusieurs points effectivement que nous pral et aborder ensemble avant dans cadre émission nous gagne affaires qui gagne pour et rentrer nouveau directeur général de la police là gagne en pile disposition qui commence à prendre nous gagne des opérations que ou état major police là avec des oligarques corrompus décidé mener dans base du Michel Rizal alias barbecue avec des monde dans population civile dans zone et Solino, ça veut dire que l'improbable pour que y ait une véritable guerre civile, c'est un pile monde dans la population qui pourrait l'assassiner, une pourrait tuer l'autre parce que il y a deux camps qui pourraient l'affronter, il y a deux groupes armés qui pourraient l'affronter qui gagnent chaque groupe monde par dans la population yo camper derrière deux pour affronter. Ça veut dire que il y a une possibilité pour nous un véritable canage. En pile monde, une pourrait tuer l'autre parce que monde dans la population civile là définitivement pas camper pour une défendre tête l'autre. Ça veut dire que bagarre compliqué, nous pourrait faire ça dans cadre d'émission ça. Nous gagne pour nous parler de intervention et du Michel Rizier barbecue fait qui cause alors moi tout de suite Pierre Espérance paniqué, gain panique totale et dans la coupe d'Haïti et Wall Pierre Espérance dans le pays ça pour défendre des criminels notoires pour la détruire des monde de bien. OK, ça veut dire il est important dans cadre d'émission ça pour connaître qui est-ce qui Pierre Espérance en dedans émission ça. Il a attaqué Guy Philippe dans toute sous toute forme. Li contribuer nan mete Guy Philippe nan prison pour le passer 6 ans 7 mois États-Unis d'Amérique. Jodi an Guy Philippe tourné moun ki décide pour li assassiner caractère Guy Philippe li le Pierre Espérance encore. Ki rôle monsieur? Pour qui ça travail? Tout ça on va le voir tout de suite après Guy Philippe fin parler là. Entendez. Ba nous parce que monsieur ça va pas jambe ba nous cob pour nous renforcer. Yo même t'habite prend cob là pour faire fond force vini. Mais si nous besoin sécurité, c'est cob pa nous. Pour nous renforcer la police, pour nous renforcer la Médaïti. Non, ouais, nous pas faire tout. Même si nous n'avons pas capable. Mais ce pays n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que les Kenya vont venir là, ils vont aller dans le corridor, ils vont venir bataille pour nous, dans le ghetto, de tous côtés, pour bonne sécurité pour le monde? Ils vont pas venir faire. Non. Faut que nous ne pas mettre tête de mentir. Nous avons l'armée, nous avons jeunes, nous avons la police, nous avons les gens entraînés, encadrés, équipés, payés bien. Parce que l'État s'ouvre les sécurité, il faut investir pour les sécurité. Par contre, par contre, si tel fois quand tu as abordé ce dossier, ça, d'après le moine Bruno, bon, c'est pas de, bon, qui clair devant nous, et comme si mandat fonçage est presque fini, tout même, pendant que vous même commencez là, non? Eh, mais mandat la fini, hein, c'est pour un an, il y a des bails de mandat. La fini en juillet, là. Pas tel beaucoup rentrer. Il beaucoup rentrer, mandat est fini. Bon, l'autre cop va le débloquer encore. So, attendez. Ah, et comme l'a déjà fait. Comme l'a fait. Pour nous comprendre le problème, non? Parce que moi, écrit et. Moi, voyez plusieurs lettres. C'est pas seule lettre, moi, voyez pour payer ça. Le okay. Problème Haïti, c'est un problème social lié. C'est la misère qui l'a gagné dans sa nia, là. Base la misère, c'est corruption. C'est mauvaise gouvernance. C'est ingérence américaine dans l'affaire interne pays d'Haïti. C'est eux qui mènent et qui mènent côté de là qui viennent à vivre le problème. Là. Nous n'avons pas de problème de sécurité là, pour question seulement que la police va faire travail, l'armée travaille, après elle fait travail. Tout autant, nous pas fait ça pour nous faire, pour nous résoudre le problème social. Nous avons toujours joué un problème ça. Et la police avec l'armée d'Haïti a toujours tout le temps à éteindre du feu. Faut que le gouvernement, faut que les dirigeants nous suspendent corrompus, faut que nous suspendent voler comme pays, faut que nous investissions.
pour qu'on crée alors, sous ça, on parle là, il y a pile contradiction sous les, alors, sous opinion par là, sous question et amnistie, il y a monde qui clairement, chaque fois on parle de eux, il y a même eu deal, c'est Guy Philippe a demandé amnistie pour gang. Ou qu'on réponse claire au cabaye sous dossier ça? Mon cher, chaque fois les gueules se créent son pays, volent un pays, détruisent un pays, occupent un pays, ils ont toujours joué un secteur dans la presse qui c'est presse mensonge, presse qui a baillé menti, presse qui a travaillé pour eux. Et puis eux-mêmes pour bombarder le monde. Ils ont créé une situation là, je dis à là, pour nous joindre Haïti que nous gagnons là. Pas parce que c'est par hasard pour que nous avons toutes les âmes dans la main, dans zone défavorisée. Côté aux joignons, encore une fois, qui est-ce qui baille? Côté aux joignons, côté aux joignons, comme vous achetez les âmes. Quand ils jouent, quand ils achètent des munitions, quand mon pays de quoi États-Unis fait toutes armes, toutes munitions sont sorties la Cali sans qu'ils puissent contrôler. Première puissance dans le monde. Donc, il faut que nous posions des questions bien. Donc, l'homme parle de amnistie. Autant de nègres parlé, oui, du film c'est amnistie. Oui, moi, dis-moi. Et me camper derrière samedi, pour nous jouer une stabilité. Oui, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une tranquillité, il faut qu'il y ait amnistie qui baille. Et amnistie offre. Et amnistie qui a profité, ce n'est pas seulement pour délinquants à sapate, ni pour délinquants à cravate, tout. Et surtout pour délinquants à cravate, parce que c'est délinquants à cravate qui baillent délinquants à sapate. Donc si nous voulons arriver pour nous mettre sécurité, stabilité, pour touristes qui rentrent dans le pays, pour les gens qui viennent investir dans le pays, pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui rêvent, retourner dans le pays, qui viennent dans le pays, nous-mêmes, il faut créer un environnement comme l'État, il faut créer des conditions pour les gens qui viennent vivre dans le pays, viennent faire touristes, viennent investir dans le pays. Alors, là, dans la question amnistie, il y a un chapitre qui est extrêmement important. On a parlé de surtout et commission, on a parlé de ça également, justice et de vérité. Ça sont gros lots parce que. Pour le monde, alors, il est clair qu'on ne peut pas parler d'amnistie sans que nous ne gardions le système judiciaire que nous avons là pour ne pas remettre en question pour une justice qui est correcte tout d'abord. Moi, j'ai entendu des gens qui parlent d'amnistie, qui disent que Philippe dit que l'amnistie est gang, que Philippe dit que c'est la gang qui a réglé. Et ça, on nous dit que c'est payé, pour vous remonter. Il y a bien qu'on est. Que l'homme parle d'amnistie, il y a plusieurs points. Il y a une commission vérité. Faut mon venir pour dire ça me fait venir accepter tout le fait et nation. Li gen justice là. Après elle gen considération pour bay mon on pardon et après elle venir réinsertion dans société a. Et ça c'est trois cas pays qui fait les ont des problèmes graves tant que nous, tant que Afrique du Sud, même États-Unis sont fait là dans années 80 ou là. Tout côté a fait Colombie sont fait là avec président Santos, République Dominicaine fait avec Juan Antonio Guzmán qui débat Boroni Cuentanueva. Tout côté a fait mais haïtien lui-même ah bien qu'on est que amnistie m'a parlé à c'est pour tout le monde pour nous cap réconcilier pays à pour nous cap mettre base pour nous font une conférence nationale souveraine pour nous font dialogue national pour nous jouer Haïti besoin mais il y a tout, tout problème là sénateur il y a brisé tout problème là et dans commission oui parce que là il a réfléchi il dit quatre commissions pour mettre vérité pour mettre lumière sur moi que bagaille que il va arriver à il va arriver à atteindre c'est commission en pile fois des groupe mais au sujet sur amnistie. Mais ça n'est pas comprendre. Tout n'est qui fait commission de justice là, avec vérité, vous pensez que vous avez tout le temps à cabrer la justice parce que vous avez appuyé aux États-Unis, c'est sous l'ordre ambassade qui a fait toutes les autres. Non. Le peuple a joué, il a jugé, il a condamné. Parce que vous faites payer à trop de temps. Si je dis là, nous avons tous les jeunes dans le ghetto qui a examiné, c'est parce que chaque grand ministre, chaque grand premier ministre, chaque grand président quitte. Ambassade a joué dans la tête, ou bien par. Ils ont tellement aimé l'argent, ils ont volé tout ça qui rentre dans le pays qui peut permettre nous de mettre base pour une société plus juste, qui est plus égalitaire. Ils n'ont pas mis l'école, ils n'ont pas mis le travail, ils n'ont pas créé aucune condition pour l'agriculture dans la vie. En réalité, pour nous faire le peuple nous manger, le peuple nous lever, par contre, comme l'abdomen. J'ai une question qui vient de nous. À marcher dans la rue chaque jour, par contre, qui j'ai envie de faire, madame est obligée à prostituer la tête pour le bon manger. Nous avons pensé que son bagage. Facile, on a bien parlé de morale, oui, haïtien, même si bagaille est dû, haïtien pas qu'on fait ça. Non, haïtien a fait, de tout peuple a fait, la misère a vu une extrême. Et seul genre pour nous changer, c'est pour nous combattre la corruption pour tout le monde, faut que nous arrêter, juger, vagabond, voler tout comme pays, que dans le Petro-Caribé, que dans le tremblement de terre, que comme nous qu'on rentre chaque année pour nous ministère, pour faire route, pour faire l'hôpital que vous voler, assassin président Jovenel, faut que nous arrêter, vrai assassin, Justice de ça coule net en réalité justice pour les gens de la faire venir en réalité faut que les États-Unis revoient nèg nous que le prend là avec les États-Unis en Haïti pour une justice sérieuse et juger
comment pour nèg fin assassiner tout un président j'ai retrouvé là yo dit oui justice ça c'est États-Unis appel et quand États-Unis vient tourner nèg là et fin tande yo li dit et secret d'état donc nous pas même cap connait qui mok tout l'emploi faut que ba ça suspend Haïti son pays souverain li donc tout bagay ça yo faut que suspend donc moi c'est ça fait moi dit amnistie li obligatoire pendant amnistie a bien justice pour moun par exemple qui victime yo moun qui obligé qui détaille yo donc jugement fait correctement moun oui jugement fait amnistie pas veut dire on joue bon décret ou libre tout soit fait a bien jugement non il y a tando premièrement pour qu'il y ait une amnistie faut accepter tout faire faut dire oui me fait ça et ben vérité faut expliquer comment on fait. Alors, nous voulons nous prendre pour nous tendre intervention et commandant chef révolution, commandant Guy Philippe, qui a détaillé et stratégie d'amnistie que la poney, que détracteur, assassin, vicieux, volé dans le micro traditionnel, même gang sale. Parce que pas oublier, m'a dit nous ça très bien. Et volé et gang politique, les criminels même avec dans le micro de Haïti, y'a m'le comme ça. D'ailleurs, c'est ensemble, ils mettent tête, ils foutent détruire Haïti dans le niveau de détruire là. C'est même voleur, c'est même méchant, c'est même criminel. Mais c'est qui est politicien voleur, vicieux, qui perd, commission vérité. Qui est-ce que vous mettez pour attaquer Guy Philippe? C'est les médias traditionnels là. Vous mettez pour attaquer Guy Philippe. Ça, vous peut. Vous peut vérité, vous peut commission de vérité, vous peut pour que, si monsieur Assapat, tu vas venir dire, mais 1, 2, 3, 4, mais comment lié? Vous peut. Même Jean, ça, citoyen, ça, comment lire encore, Jean Rebelle dans le Sénat, qui président, et commission CNDDR, vous comprenez moi, commission des armements, qui connaît nos 11 familles, qui a 20 armes, qui a 20 balles, en dedans pays, comme si, monsieur, plus pito, serré, non, yo, comme si, monsieur, avait dit, non, moun, ça, au plus important, que la vie, moun, qui a détruit chaque jour dans le pays d'Haïti. Eh bien, à travers la commission vérité, dans le Sénat, c'est où, non, moun, qui a pris un code, oui, oh, pas la fond idée, pour qu'il soit gagné, l'eau serré. Et puis, mon ap mouri, c'est la bonne balle. Non, mon cher. Ça veut dire que la commission vérité, avec la commission justice, là, mon cher Baba Oumati, c'est la meilleure solution. Je dis assez exactement, et 17 juin 2024. Et moi, content pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de côté qui l'a de nous, et regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous, pour que nous sommes avec vous. Sur la plateforme Paulan, qui est la plateforme YouTube, Maman Peba, plateforme YouTube Pépouté, qui n'est pas un chaleur, plateforme Gabzé Janier, qui est la plateforme YouTube Info Beto. Je vous nous partager, commenter, like, abonner. Mon n'a pas regardé sur l'écran, c'est commandant en chef révolution, commandant Guy Philippe, président peuple. Et Guy Philippe, à l'appareil, c'est lui qui a attendu là, qui a expliqué, qui a bien détaillé, alors dossier qui est détecté à PC attaqué à ce dossier stratégie d'amnistie. En avance. Qui est-ce qui faut faire? Qui est-ce qui est amour? Qui est-ce qui est bon âme? N'est-ce pas parce que vous connaissez ça, amnistie, vous voulez dire réellement? Qui fait que vous avez comme ça? Vous avez la de tout là? Oui. Oh, ça fait opel comme ça. Vous connaissez, vous volez un paquet de corps, vous mettez la République Dominicaine, vous avez acheté appartement en République Dominicaine, États-Unis, c'est la ménageur à vivre, c'est la business. Vous connaissez un programme ça, vous avez fait ça, comme ça, il a retourné dans la caisse Haïti pour nous payer, pour faire route, pour nous électrifier le pays. Tant yon yon exo adap douya vo pil nek Kenya, ici pour paquet de qui va venir faire un. Pour ça, on va aider une fini et pour le programme président Jovenel pour électrifier le pays. Pour ça, on va faire plus usine asphalte, aider nous, faire bagaille président Jovenel, le président Jovenel, venir donner réalité pour aider les populations. Pour ça, on va aider une freine exode rural là, pour nous créer et conditions pour nous qui abrite dans la section communale là, pour jouer un service, pour qu'on vive côté yon. Donc je suis là, il y a besoin de côté besoin aide nous pas joindre. Côté vraiment besoin aide nous pas joindre. Son équipe de solutions superficielles tant que vous voyez 2000 nègres camper bagage by cosmétique net mais après 1 an 2 ans ou pas là Haïti tombé bien mal et puis on dit Haïtien pas cap diriger Haïti, yo dit que oui peuple noir lui même il pas cap et grand monde tête lui. Bon yo pas jamais bonne chance pour nous prouver tête nous. Yo pas jamais bonne chance depuis après Duvalier pour un gouvernement qui cap mettre et tête lui parce que ambassade américaine contrôle toute bagage. Et comme si la police nationale n'a pas de monde. Depuis combien de temps, c'est même directeur général, il a changé, il a viré, pas de aucune affaire, on est en bas ou cap monté. Seul genre, seul bagaille pour gagner, pour qu'il y ait un chef de police.
ou bien pour cabine dans grosse structure les police là faut que vous c'est tout ambassade américaine. Alors pendant sous question ça bande tout pose question on garder le comme ancien commissaire dans la police là nous connaît passage ou dans police là et ce qui est remarquable qui j'ai regardé là là n'a parlé de un nouveau directeur général qui sous route prend tête institution ça en remplaçant de Frantz Selby qui a plusieurs noms capcités mais jusqu'à présent le nom de l'ancien directeur général Normil Rameau li sous pelouse là et c'est lui jusqu'à présent favorable pour arrêter ta sortie et que qualifié comme directeur général police ça qui j'ai regardé décision ça qui ça ne attendre qui j'ai regardé. Bon, moi-même, je ne fais peut-être aucune illusion. Tout autant haïtien, nous ne pouvons pas récupérer, nous ne pouvons pas prendre contrôle. Sécurité, nous en main. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous avons décidé. La loi nous permet de décider. Pour dire, mais qui est-ce qui va être directeur général? Mais qui est-ce qui va être DCPA? Selon la loi organique, institution ça, que l'armée, que la police, nous ne pouvons jamais avoir sécurité que nous avons, parce que la sécurité n'a toujours dépendre de l'ambassade. Vous connaissez? Tout le monde a nommé là, que tu as une chef de police. Ou quoi, interview pour venir chef de police, c'est l'ambassade américaine qui fait lui. Sénateur? Oui, c'est un interview pour venir directeur général de la police là? C'est l'ambassade américaine qui fait? Il n'y a pas de chef de police si vous ne parlez pas avec mon ambassade américaine, si vous ne parlez pas visiter. Et vous voulez dire nous là? Si vous parlez pas visiter. Et vous voulez dire nous que Normil Rameau qui a tourné là? C'est aussi un commissaire qui a parlé. Normil Rameau qui a tourné là, c'est l'ambassade qui a pris Bali encore, c'est le département de la police. Donc c'est décidé par l'ambassade américaine? Non, même donc, la police gagne loi organique, gagne livreuse là, gagne livre là, la police gagne gens pour mon vin directeur et la oui. Police, la police, y'a pas à me respecter rien. C'est eux encore qui a crasé toute institution l'État, toute institution pays, et puis c'est eux qui a plein. La loi dit, mais qui vient pour premier ministre, mais qui bagaille pour respecter pour gavin premier ministre. Y'a met un premier ministre qui va respecter même deux, dans la condition que la loi établit pour gavin premier ministre. Donc je dis à là demain on va le saisir pour dire haïtien pas capable, yo te ba étant cob, haïtien volel et puis au même encore qu'il met du feu dans caïla, yo va dire yo va aller dos éteindre du feu dans caïla. C'est comme ça on fait, c'est et c'est ambassade américaine qui capitaine structure. Donc ça pas encore j'aime rivé pour nous mon directeur général, c'est nous qui choisir ambassade badin. Hein? Bon, ou même connait la police très bien, m'oblige à poser des questions ça. Bon, et ta droit, moi parler de la police. Attendez, on parler de directeur la police. Qui ta droit? Pour d'avoir un agent qui a montré la police pour pas d'avoir l'IS là, dans l'ambassade américaine avant. Ah bon? Même l'IS agent qui a rentré dans la police, il faut qu'ambassade a gagné. Même si agent puis petit. Vous m'attendez, et ça, président Maduro dit dernièrement. Président Maduro explique le clair. Venezuela. Il dit que le président Préval de Vincotel, il m'a dit qu'il faut faire l'armée. Il dit oui, il a aidé le faire l'armée. Et puis, là, on commence à prendre toutes mesures pour voir les gens, voir les bagages, ce que en Haïti. Le président préparé le deal, on fait camper, l'ambassade américaine pas avril. Après, président Maduro, il n'y a pas de deal, non? Je vois le bout, je vois le message là-bas. Président Maduro, quand il a parlé, il dit président Matéli, il m'a dit le même bagage là. Il vient prendre toutes mesures pour le faire, il m'a dit le bagage pour le président Matéli. Président Matéli dit, on fait un petit freiner, on fait un petit ralenti, l'ambassade américaine pas avril. L'ambassade américaine pas avril. Comment vous n'avez pas de mesures pour nous faire peuple de sécurité pour l'ambassade à dire non? Comment vous mettre en bas pour dire mais qui zame nous qui la police nous, mais qui zame nous qui l'armée nous? Est-ce que nous avons fait un pays dans l'état ça? Est-ce qu'un pays qui a privé aucun côté s'il va gagner sécurité, s'il va gagner tranquillité sociale, s'il va gagner stabilité? Pas aucun sacrifice qui est trop grand pour joindre sécurité, stabilité pour le peuple, pour nous faire un chemin de développement. Et c'est dans le cadre de ça, je pense qu'on processus d'amnistie est nécessaire. Donc là, ce n'est pas étonnant si nous arrivons à un niveau ça. Nous avons aujourd'hui la police qui n'a pas même gaffité. Nous avons qui gens la zone passée là. Les policiers continuent à mourir. La situation continue à dégringoler. Les institutions censées agir nous dans le moment où nous parlons là. Donc, le blanc, l'ambassade américaine est impliqué à fond et il y a une responsabilité totale dans ce qui arrive, police nationale que nous avons là, ou clé sous ça matin. Premièrement, il faut que nous disions police nationale, non, il faut qu'il soit structuré. Il faut que nous passions avec fait là-dedans, parce que en dedans police, il y a trop d'agents qui travaillent pour blanc et qui travaillent pour nous, il y a pas de travail. Il faut qu'on passe. Et passez, mais commandant, nous avons trop d'agents qui nous volent. Et c'est le vérité absolue. Il y a des commissaires de police qui vendent des armes, c'est machin des armes qui ont eu. Vous comprenez? DCPJ connaît. Ok? Et la police, là, tout. Il y a des policiers qui travaillent avec des gens qui sont dans le secteur privé, qui font transportation d'armes avec munitions dans le quartier populaire pour eux. Ok? Et il y a des policiers qui sont kidnapping, qui ont kidnappé, qui ont évité l'homme plané pour lui. Ils ont appelé l'homme sans jour, ils ont mis dans la zone Belay. Ils ont mis Kadjaf Kanaran. Il y a pile policiers
dans tout. Alors, et facilité pour gang dans opérationnel, c'est avec policiers. Tout gang gen la police là-dedans. Tout gang yo, tout réseau gang ouais dans zone métropolitaine là, yo gen des policiers en fonction là-dedans. OK? Tout gang qui opérationnel dans zone métropolitaine là, yo gen des policiers en fonction dans la police là qui nan qui fait partie de gang là. On va comprendre vérité là. On avance. Commandant Guy Philippe à l'appareil. Les mecs fait faut que nous nettoyer police nous parce que c'est seulement après ça que nous avons Haïti que nous vivons. Une institution qui c'est censé colonne vertébrale société parce que pas rien qui a fonctionné si la police a fonctionné mal pour l'école là si moun nan gen tranquillité pour chita dans classe pour professeur vienne faire cours faut qu'il assure que gen sécurité dehors pour business fonctionner faut gen sécurité pour vagabond pas venir piller dans nuit moun kan vial nan bal al principe les ou faut que la police a bail sécurité pour aller l'église toute bagaille reposer sous dos et sous qualité de travail la police nationale a fait mon pays. Et je dis à la police a fait travail qu'elle pas de faire dans place l'armée. Nous pas qu'à branche chance pour nous police premièrement que c'est blanc qui occupe. Donc les blancs voulaient faire monter van en sécurité, monter van ni. Gardez pour eux. Chaque fois qu'on va voter un bagage dans l'ONU qui vient pour eux avec Baraï Kenya, ou après blanc monter volume en sécurité en Haïti. Chaque fois qu'on décision pour moi, après blanc, monter vol. Dernièrement, on va aller voter, dernier bagage et pour Kenya. On va ça a été fait faire Pétionville, Pèlerin, les gars passent caille par caille, ouvert caille, rentrer dans caille. On va faire son bagage consacré fait. Blanc, monter volume et sécurité. Il contrôle les policiers, il contrôle les bandits. Il veut faire des ordres, il fait. Donc tout le monde perd la vérité, tout le monde a pris les corps derrière, pendant qu'on peut mourir. Puis gros problème, nous. Ou mettre quoi frère. Puis gros problème nous c'est la misère. Puis gros problème nous c'est problèmes sociaux, c'est injustice sociale yo. C'est la partie de injustice sociale qui fait tout ça yo arriver. Et qui ça cause injustice sociale ça aussi grave en Haïti que misère aussi grave, c'est corruption, c'est mauvaise gouvernance et c'est ingérence étrangère surtout États-Unis d'Amérique dans affaire interne pays. Bon, donc, nous, si nous voulons solution, faut que nous posions vrai problème pour nous joindre, pour nous garder comme déraciner. Est-ce qu'on est aujourd'hui pendant pas d'avoir là ou pas un médecin. Un médecin non pour 1000 habitants non, en Haïti. Ou pas un infirmier non pour 1000 habitants en Haïti. Bah grave. Dans section communale, n'importe femme qui a permettre lui gonti complication parce que l'enceinte il mouri. Premièrement, il pas gagne cette santé dans zone là. Deuxièmement, pas gagne route même si tu as vle ou libre pour aider pas gagne route pour arriver pour dans cette santé au cas où bien Jérémy. Tant de douleur monsieur. Donc ou qui ton population a vivre dans condition ça? Et ajouter à cela sénateur, question Biden n'a c'est pas deux médecins que le prend. Nous perdons plus de médecins. Suite cerveau ça. Il y a pas de grand pile. En bon, l'autre Canada à États-Unis. Le plus souvent au jour, il y a prend monde. Mais on après les apprend monde non. 60% moun ya pran se moun ki deja médecin, oui, infirmière, ki deja qualifié. Et là moun arrive dans pays yo, yo pa kite le travail sous qualification de gen Haïti. C'est l'autre job pour la faire. Donc on moun ki de premier ou bien deuxième classe citoyen en Haïti, les rive aux États-Unis pral dans 5e 6e classe citoyen. C'est boîte là pour la porter, c'est bagaille. Donc ou pa son plan que nèg yo gen pour craser pays. Et nous comprenons jeune yo qui à États-Unis, nous comprenons yo qu'al Canada, qu'al Chili. Et Brésil, c'est nous même en Haïti qui mettez au dehors. C'est nous qui poussez dehors. C'est nous qui poussez dehors pour mettre au dehors. Nous pas capable de critiquer. C'est nous pas offrir rien pour faire quitter le pays. Mais qu'on y a nous même, si nous voulons nous dire nous aimer Haïti, la pensée pour Haïti, faut nous poser vrai problème et dire vérité. Tout le monde peut. L'OM fin balade voilà, on parle de Magui, on rage, quand on parle de blanc blanc tout yo. Tout le monde peut. Il faut tout le monde peut. Bon, nous connaissons pas nous parler. Et bon, ça fait titan, oui, nous pas parler. Nous gagnons pratiquement moi, nous pas guitant parler avant formation. Gouvernement, ça. Là, gouvernement, t'as le patron de travail là, obligé de garder mon petit réponse pour ça. Là, nous avons un nouveau gouvernement. Si Gaël Connais, j'en ai déjà commenté là avec nous. Gouvernement formé. Qui j'ont gardé formation gouvernement ensemble avec équipe pour. Qui message élément qu'il a dans de visage qui retourne là de l'autre monde qui part là qui là et le discours on croit certainement autant de discours qu'on est lors d'installation qui ça ça dit comme leader. Bon moi même on pas critiquer ni condamner Gary Conny parce qu'il bon travail là la condition même moi dit Jean prend pouvoir Jean Michel ça prend pouvoir. Alors on t'a des réponses avec question ça que commandant Guy Philippe va répondre là qui est extrêmement important pour que nous t'entendions.
et commandant Guy Philippe. Tandis ça avec un peu d'intérêt sur la question qui est posée, comment le docteur Gary Conille qui est arrivé là comme nouveau premier ministre. En tout cas, le leader. Moi, je dis que on vrai haïtien va prendre la condition ça. Mm-hmm. Pour qu'on pouvoir, pour obliger de signer, pour qu'on occupation territoire national là, et là, on est bien que n'est pas fait un sérieux. Là seulement, nous avons un problème. Mais, il y a des nègres dans l'histoire nous qui ont commencé mal. Et puis, qui prend conscience, qui viennent essayer de changer ça. Donc, le président Lecomte. Il y a des condamnés président Lecomte dans le procès de consolidation. Il y a des Kimbel dans l'ex ça. Il y a des Métenons. Mais, les salles ministres, mais l'Elvin président. Non, il prend conscience et envie de faire changement pour payer tout le monde. Donc, monsieur, il est un grand président. Il est obligé de sauter dans le palais national. Et c'est même élite ça, qui saute. C'est même petit groupe qui saute. Même monde qui tue le président Jovenel, avec de connivence avec Blanc. Hein. Même Oligarque. Même yo même. Donc, Gary Conille doit avoir un passé que le gagne. Il doit travailler dans le CIRH avec toutes les questions posées sous question CIRH. Là. Il doit avoir ce monde Bill Clinton. Ça a dit que c'est mon. Mais je suppose que je souhaite que je sois haïtien. Exactement. Et lui, ouais, que Jean-Baptiste Lalla, dans tout le monde, là, bon, Haïti n'a pas aucune chose encore. Lui, font bagaille un coup, président Lecomte, il dit, bon, c'est haïtien, m'a sauvé Haïti. Ou pensez que c'est un coup là? Bon, quand il y a des amis qui m'ont dit, bah, ça n'a pas de vérité, ou c'est un coup à la manière de Toussaint Louverture. S'il n'a pas fait coup là, s'il n'a pas fait coup là, il y a pris Jean Lalla, et sécurité a pris Jean Lalla. A toujours continué à piller toute sa guerre. Pour qui raison pensez blanc crasé Libye? Blanc crasé Libye, c'est pour pétrole, oui. Pour stabilité, Kadhafi. Pour l'argent. C'est peut-être ça, vous crasé Kadhafi, vous crasé Libye. Et je dis à regarder qui est en Libye. C'est peut-être richesse Syrie, vous avez laissé écraser Bachar al-Assad dernièrement. Hein? Bon, heureusement, M. Campé, il fait tête. Non, il y a un gros allié tout. Gros allié là aussi. Justement, donc, blanc c'est ça, le fait lui-même. Oui. Il prend médial. Il y a ses journalistes, radio, PDG, tout le monde entre dans le système. Et puis, ils vont dans le bagage, ils vont dans la réalité. Quand il y a là, il faut comprendre que c'est barbecue qui pas bon, c'est Intel qui pas bon, c'est Yap qui a bagage, et c'est Blanc Sauveur. Oh, Blanc, c'est lui qui met du feu dans le cas là, c'est lui qui met des armes, c'est lui qui met des munitions, c'est lui qui m'a fait des autres là. Pour qui raison à bouler le en bas la ville là? Pour qui raison à montrer le cas en cas à paniquer le monde? Pour qui raison Simon a mouru? Il a boulé toi, Simon. Ces messages vous voyez que le pays d'Haïti sont en chaos total. Vous pouvez même rentrer et faire ça, vous voulez faire. Quand on est là, son plan, et plan, il a exécuté le bien, jusqu'à ce qu'on vienne des Haïtiens qui campent et qui disent, OK, plan ça, nous ne pas quitter le passé. Et nous avons souhaité Gary Conille. Donc, message pour là, à M. Martin, après-midi, c'est que M. Taf, bon, conscient que dans qui contexte il est là. Dans la condition que le prend pouvoir, il connaît le mal pour pouvoir. Il connaît le bagage aucune ni légitimité ni légalité. Il connaît job il mandé le faire, c'est pas en faveur peuple haïtien. L'a vinn faire. Mandé lui-même, s'il gont 600 de saline toujours. S'il gont 600 haïtien toujours. Conseil de bagaille de mesure, prend au vite. Prend au vite. Prend au vite. Faut le mettre en politique de décentralisation. Attendez, oui. Tout bon la veille. Commandant Guy Philippe Kabay et des conseils publics avec nouveau premier ministre là qui c'est docteur Gary Conille. Et c'est ça que m'a dit des monde qui alors captant des cap garder là qui s'est formé dans mes plateformes YouTube et Fubeto qui toujours campé bon côté nous et dans toute bataille que n'a mené yo tout parcours nous et sous plateforme ça. Et naturellement moi dis nous que docteur Gary Conille vini nous moi même pas le combattre lui. Par contre si vous nous pas le combattre lui. Claude Joseph a support ou du moins dans gouvernement, m'a pas le combattre Claude Joseph là pour le moment. Sauf que m'a regardé comment on va aller. Parce que moi-même, politique que la Dominicaine fait, m'prenne. M'remel, j'en refais là, le propre, il senti bon. Comme si, li pour pays, hein, li pour peuple, li en faveur peuple. Ok? Ça veut dire que moi envie pour moi pratique ça fait dans le pays. Et un gouvernement monté, pas de problème. Dans quelques secondes, il y a monté, quitte-le. Quitte-le avancer. Pas faire manifestation, pas craser, pas briser. Dis-le, mettez-le, faites-le à l'école. Faut que ma la ville nettoie. Faut que machine capable retourner en bas la ville. Ou du moins, faut que nous crassons en bas la ville net pour nous rebailler pays en l'autre visage. Mettez-les en fait accompli. Ils sont prêts. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le combattre pour nous. Et commandant Philippe, bravo. Et c'est ça qui est un leader. Moi-même, monsieur pour tout bon. Franchement. Non. Faut le demande. Des gros demandes. Ah mais faut le faire. Faut le réviser politique internationale. Diplomatie, non. Faut le réviser, faut le refaire. Bon, soit la diplomatie à la brigade d'Aïki qui est dans le bas ça. Ah, mais faut le réviser.
Eh bien, si nous voulons pays, il faut nous faire. Nous essayons de bagarre, il faut que nous m'en oui. Il faut faire réforme système judiciaire là, avec réforme de la police nationale là. Président Jovenel, c'est quand il est le président, il dit que nous avons forcé de nommer 50 juges corrompus. Mm-hmm. Mais qui est ça? Qui est le monde qui a forcé un président de la République pour le nommer 50 juges corrompus? Juge volé. Qui système qui a forcé ça? Ah, mais pour nous connaître, on président, pas qu'à résister avec pour nous connaître ça, il faut amnistie, hein, une réalité. Faut que nous connaissions que l'elfine dit ça, nous capables si les deux nous comprennent ça. Comment, pour un président qui a fait le jour, il faut forcer le nom de 50 juges. Qui est-ce qui est 50 juges corrompu ça? Quand on est aujourd'hui là, dans qui secteur dans le système de justice noir? Ah, il y a un groupe qui pif fort longtemps que le président. Que le président, pas qu'à Isabelle, il faut forcer. Jusqu'à ce qu'elle lui dise ça. Goodbye, oui. Je pense qu'il faut que nous mettons en place un cadre macroéconomique qui a venu aider nous. Vivre vraiment dans le développement durable, développement endogène que nous parlons pour Haïti. Il faut que nous définissions quatre ça, quatre macroéconomiques. Donc, je pense qu'il y a des choses s'il fait. Et on a dit, bon, ok, il prend le mal vraiment, vrai, mais même avec le président Lecomte, il prend conscience. Mais s'il connaît les dictées blancs, la vie que avant pour tous, c'est follement des ambassades américaines, s'il a toussé, nous n'avons pas privé aucun côté. Et là, aucun pays ne pas sauté ni dans la misère, ni dans la pauvreté, grâce à l'aide internationale, grâce à l'aide humanitaire. Ça va qu'on fait. Alors, permettez que je me pose une question directement matin. Qui j'ai regardé, on est le retour, tant qu'on est avec Camille Edouard Junior, qu'on est très bien, comme ancien ministre de justice, là, dans la tête primature. Ça va étonner, moi, dire, que c'est blanc qui a mis le système. Le système n'a pas. Yo ouais qui vient de passer que révolution comme un peuple haïtien accepter l'idée révolution. Yo peur, yo senti en danger, yo senti yo pas retenir le temps. Et yo pas retenir le temps, oui. Yo met fait affaire. Yo pas retenir le temps. Système n'a pas retenir le temps. Yo connaît que peuple a gel l'ouvri. Président Jovenel te commencé dit une vérité, il te commencé l'ouvri jeune et révolution a continuer faire même travail là. Système n'a connaît dans dernier temps. Système n'a vienne plus méchant, il vienne plus enragé, c'est ça faut limiter nèg ça. Il va ou pas c'est tout méchant, tout nèg qui grasé pays dans dernier 30 années. Ou bien c'est tout blanc fait une équipe et puis le mettez là. Bon mon nèg dans gouvernement ça. Mais bon mon nèg dans gouvernement ça, qu'on va te content des noms qui est impliqué dans la corruption dans la Haïti. Bon mon là dedans. Il y a tout là dedans. Donc, il a fait le dernier match, dernier round là. Il a fait le dernier mi-temps. Mais nous, même toujours là. Nous toujours là pour essayer de comment vous mettez le peuple là. Non, donc pour nous venger le peuple là, faire comprendre le problème. Et surtout si nous sommes influencés. On est avec Gary Koni, on dit Gary, quel genre ça t'est passé, bye pays a une chance, aider Haïti. Fon bagay. Haïti besoin bagay. Attends non parole, monsieur, comment on a Philippe répété. Pour nous garder comment ça va influencer Dr. Gary Koni pour nous faire monsieur aider pays à jeune bagay. Bravo, c'est ça qui est un leader. Bravo, comment on a Philippe. Bravo. Et maintenant, de chaque grand monde qui a attendu de regarder là, et mettons un petit bravo pour comment on a Philippe, n'est-ce pas, comment là pour nous. Mettons un petit bravo. On nous dit bravo, comment on a Philippe. Bravo. Commandant Guy Philippe, sa parole sa, son parole leader, son parole haïtien à cœur. Ma kon tu comprends, son parole haïtien qui rem Haïti, qui besoin pays à sot nan sa. Ou a Guy Philippe a souffri nan nan, sa a souffri en dan pour pays sa. Sou a Guy Philippe capable de parole sa, franchement, monsieur c'est vrai leader ya. En avance, mais de ti bravo pour commandant Guy Philippe pour moi, n'est-ce pas ce commentaire là, très intéressant. Moi même ma fait une opposition à gouvernement sa, mais c'est une opposition constructive. Justement. Je ne parle pas pour me demander de craser, briser. Ou espérer que la population vienne en soulagement. Exactement. Seul ça m'a demandé, on met des bases pour nous faire un bon Haïti. Et comme monsieur lui-même, nous sommes dans la diaspora, nous avons aimé que monsieur travaille vrai pour l'intégration effective haïtienne qui vivent à l'étranger dans le construction de l'IA. Il faut que monsieur assure, lui mette cadre pour l'intégration haïtienne qui vivent l'autre bord dans la diaspora pour qu'il rentre vrai, venir de reconstruire l'IA. Bon, en tout cas. Donc si monsieur fait ça, yo, peut-être m'a dit bon, peut-être malgré le rentrer dans petit pot derrière, peut-être l'envie sortir dans gros pot là. En tout cas, nous espérons que bon, c'est certain toute équipe là tant là et message là le joine monsieur yo, et que premier ça a va faire ça que le doit faire. Nous obligé qu'il doit aller, nous te content fait parler. Mais bon bail qui a passé dans département là, bail était chargé. Bon déblozer dit Jérémy question Zangui. Et pas de problème non. Il va déblosage. Tout le monde connaît que le ministère de l'Agriculture son gang qui a dirigé depuis question Zambia avec PIN. Un gang qui est dans le ministère. Son gang lié depuis qu'il a fait PIN et Kounyala a fait Zangui. Gredance avec NIP, c'est deux départements qui baillent en pile dans Baïsao. Donc,
Grandas souffre de lui. Uh-huh. Malheureusement pour nous, c'est un monopole, le ministère de l'Agriculture, même si vous avez tout bagage, même si vous avez envie de faire, même si vous avez l'argent pour faire, il n'y a pas bon autorisation. Parce que autorisation, c'est pour qui concerne les milliers. Ah bon? C'est seul lit avec l'équipe. Oui, bah, est-ce que moi-même, on en paie mon n'a pas de vérité? Non, ou là, il y a sans filtre. Sans filtre. Oui, c'est qui concerne les milliers, contrôler, commerce, zangui, dans la grandance, avec Nanit, et aucun monde n'a pas de autorisation, parce que il paye ministre. Moun qui n'a et comme ministre de l'agriculture pour assurer que aucun autre monde pas une autorisation bon bon défi là ou même pas dit rien faut si bureau là faut si bagaille à demander autorisation pour essayer à bolé d'ailleurs yo nouveau ministre qui monte là il est en chita avec l'exam non yo dit ministère Ivan Livan oui ministère pour eux même et acheter oui groupe qui acheter ministère bah on va pas la terre là j'en content. C'est vrai. Là, j'en donc, moi, c'est vrai. Que... Et ça, Philippe, comme ça, comment Guy Philippe dit, tellement vrai. Moi, tout n'est pas qui est présent dans l'installation. Tout n'est pas qui est présent. OK? Tout n'est pas qui est. Moi, isolé avec toute équipe, li, OK? Présent. Il y a des noms pas besoin de citer. Et qui est connaît jouet là. OK? N'est pas présent. Et n'est pas aussi joué qui est Rémi qui est. D'accord? Et Zangia, c'est vraiment son réseau qui a dirigé lui. C'est pour moi-même. Alors, je ne pas critique envers eux-mêmes, non. Mais sauf que je pense que faut avoir possibilité avec de l'autre monde tout qui peut rentrer dans ce secteur ça. Pour tout le monde qui a mangé, pour tout le monde qui a bougé. Parce que je ne connais pas Zangia si illégal ou pas. Je ne mais sauf que pour moi-même, je ne sais pas si Zangia a un rapport à drogue. Mais depuis longtemps, ce qui concerne Rémi Odiou seulement qui gagne une licence pour lui exporter Zangia vers la Chine, vers de l'autre pays et dans le continent asiatique. Justement, et Kiko, son secteur qui gagne pile en pile l'argent, et ça fait ça qui ça, bah, qui gagne pile en pile en pile en pile le et de bouger la caillou et Haïti, quel que soit côté lié, il va le prendre. C'est pour tout et pour tout pour la caillou à prendre. Aïe, 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 c'est pas ça qui est illégal là-dedans. Ok? C'est pas ça qui est illégal là-dedans. De bouger la caillou, il y a un réseau qui vient de prendre. Le réseau a la police, il y a militaire, il y a tout le monde net là-dedans. Son réseau, et pardon, tête chargée, qui vient récupérer Zangian, la caillou. Et c'est comme ça qu'elle dit. Comment est-ce que Philippe a parlé de vérité? Quand on a parlé de cause, messieurs, on nous a dit le nom. Et premier ministre Gary Kony, s'il a envie, font bagaille pour mais Haïti. C'est ancien allié, oui, qui est ministre Anamel. Petite Dessaline, Moïse Jean-Charles. Mon seul allié, c'est le peuple haïtien. Moi, l'autre allié. Peuple, moi, c'est seul allié. Moi-même, au contraire de l'exemple, moi-même, je ne suis ni président, ni ministre, ni rien. Je viens là pour job, je viens job moun. Je viens là pour mettre peuple, sauter dans des écoles. Ou clair sous ça? Ou clair sous ça? Ça va garder M. Blanc, je suis président, je suis premier ministre, ça fait garder Blanc avec pouvoir là. Moi, là seulement pour me dire vérité et des peuples, sauter dans des écoles. Bravo. Changer mentalité, moun yo, pour comprendre responsabilité que vous devez prendre. Ah, n'a pas changé. Je garantis, j'aime dire la moun, c'est le dernier an yon a vu là. Système n'a pas tombé. Donc, on va combat. Bon, tout, tout, ou n'a pas eu. Ou si vous me rêvez. Système n'a pas tombé, système n'a pas changé. Et je vous garantis que vous avez une équipe négative femme qui travaille pour ça. Et nous travaillons bien pour ça. Merci, sénateur Guy Philippe. Pas de problème. Merci. Bye bye. Voilà, merci en pile. C'était général en chef révolution pour libération pays d'Haïti. Commandant Guy Philippe, son belle interview. Belle interview. Et commandant Guy Philippe, dit vérité. En pile, causé parler. Je dis en la même. Dans l'émission Telfort. Bravo avec Telfort. Bravo avec Vladimir. Et bravo avec chaque grand monde qui t'attendait. Et parti ça qui continue. Mettez petit bravo pour nous dans l'espace commentaire. Là. C'est très intéressant parce que nous besoin ça. D'accord? Et Guy Philippe, c'est leader. Là. Et il dit lui. Ça fait pas président, ça fait pas premier ministre, ça m'intéresse. Mais sauf que c'est changer mentalité haïtien. Hein. Fait haïtien connaît que ils sont grand peuple, ok, ils nous doivent bataille pour que nous fassions valeur, non, et comme peuple. Et nous devons bataille, ok, dans la dimension histoire pays, nous, ok, ça veut dire que nous pas n'importe peuple, nous pas quitter n'importe petit vagabond, vin là, vin rancé, vin n'importe bagaille. Nous pas quitter n'importe bagaille fait. Bravo avec général en chef, révolution pour libération, pays d'Haïti 2024, qui c'est commandant. Pardon, Guy Philippe, justement, n'a pas avancé dans le dossier qui domine l'actualité. Et les affaires qui sont pour avec le dossier Jimmy Cherizel alias Barbecue et qui a annoncé la couleur. Barbecue a annoncé des gros bagailles suite avec des préparations que des nègres qui sont dans le secteur privé et payé. Ok? Nègres qui sont dans le secteur privé qui sont victimes de assaut Barbecue en Badelma.
Moi me dit lui m'a fouer bouche moi ça fait cabrit pas ça fait mouton dans ça m'a fouer bouche moi vrai barbecue met fait toute qualité bataille avec oligarque ça pas intéressé parce que pas oublier barbecue qu'on a protégé yoa malheureusement les style pas capable prendre direction bas la ville là ça veut dire que jodi si yo gen tout qualité problème yo ça pas intéressé moi ça pas garder moi et ben ça pas mêle moi ça pas mêle moi vous comprenez moi et c'est ça maintenant qui ça bagarre là barbecue Jimmy Cherizier ancien policier qui passe 14 années dans la police qui gon promotion qui a des collègues il passe dans Simo il passe dans Idmo police administrative ça veut dire que barbecue font pas coup dans la police là tout d'un coup nous prenons jouer comme ça dans la police suite avec une opération que nous même dans la police voilà le mener yon vagabond sur côté sorti il dit la défendre moun Livin ba nous tout ka été parole sur nèg la, mon ton rapport sur nèg la et puis il fait nous révoquer dans la police, nous révoquer le vrai. Mais ça le devenu. Yon policier qui a une capacité qui jodi armé un paquet de jeunes garçons des dol pour sécuriser et pour bataille contre ces des monde dans pays a. Barbecue tout non pongongo dans colette nèg, il nous pas katouyel. Pour tatouer barbecue faut d'agen des drones kamikaze. Pour tatouer barbecue faut d'amener une opération hélicoptère de combat. Faut d'agen des chats infanterie ou bien infanterie pas connait pour pénétrer on sait de permettre dans Delma 6 qui ca camper faire n'importe 2 3 jours tirer sans que nèg pas capesel chat de guerre à chaîne yo ou pas capable barbecue avec ça moi la police gars là et toute police dans là depuis c'est que le contact big grave là depuis qu'on opération depuis qu'on planification sous la police sous barbecue policier les barbecue dit barbecue ça ah voilà fond idée non voilà believe that. Mon citoyen toujours dit. Vous comprenez? Il y a toujours les barbecues, mais comment lier, Là maintenant, comment vous prenez ça? Chaque fois que vous venez, comme policier, la vidéo à terre, voilà quoi avec la vidéo à terre, et chaque fois où avancez, la vidéo à terre. Voilà, et. Nous allons tourner sur barbecue entre temps. Arabes là font belle intervention que moi-même personnellement m'apprécie. Je vais aller faire nos photos des Arabes là parce que Arabes là sorti une liste à vidéo recherche là. Et en plus, je vais essayer de faire contact avec Arabes là tout. On nous fait des et Arabes là non. Très intéressant. Arabes sémenté 7 fois, 77 fois. Révolution a fait quand même. Gary Poli, pas qu'à bloquer révolution, peuple là. André Michel, peuple haïtien mettait avis de recherche derrière André Michel. Meni. Gardez figuille bien. Les nouvelles pour nous balboire calé. Ariel, c'est menté 7 fois 77 fois. Révolution a fait quand même. Gary Poli, pas qu'à bloquer révolution, peuple là. André Michel, peuple haïtien mettait avis de recherche derrière André Michel. Meni, gardez figuille bien. Les nouvelles pour nous balboire calé. Ariel Henry, c'est grand monde ça, assassin ça qui touye Jovenel Moïse, cal caché aux États-Unis. C'est grand monde ça qui participait dans touye Jovenel Moïse, cal caché aux États-Unis. Gardez figure bien, c'est avis de recherche derrière Berto Dossé. Berto Dossé, quel que soit côté aujourd'hui pour bal Boakali. Rika Pierre Voler Delco. Gardez figure bien, les nouvelles pour nous bal Boakali. Ronald Richemont. Gardez figure bien, c'est nèg ça qui volait téléphone iPhone 14 arabe là. Gardez figure bien, c'est nèg ça qui volait téléphone iPhone 14 arabe là. Et c'est lui qui tuait journaliste Tess Gary. C'est lui-même qui tue journaliste Tess Gary. Jodia, nous condamnons le gouvernement Gary Konian pendant l'installation qui n'a pas choisi de même une minute de recueillement dans la mémoire ancien président Jovenel Moïse. Côté nous connaissons dans la nuit 6 juillet pour 7 juillet 2021, yo assassiné dans la chambre la Kaili. Jodia, ça montre nous à clair, gouvernement Gary Konian n'a pas venu régler rien. C'est impunité, c'est injustice qu'elle vient à reproduire. Parce que, imaginez un président, le peuple, un président peuple a voté, un président qui est là qui fait travail pour le peuple, il a assassiné. Je vous dis, si un gouvernement a monté, il faut parler de justice, président. Ça montre à clair, il n'a pas parlé de justice, président. Ça montre qu'il vient enterrer justice, président Jovenel Moïse. Et qui parle à adressé à gouvernement Gary Konian, à PM Gary Konian, spécialement.
PM Gary Koni, n'a mando pressé pressé pour faire un audit en dedans toute boîte l'état yo pressé pressé. ILCC ballon en pied. La Cour des comptes ballon en pied nous messieurs. Parce que tout cob qui était dans caisse l'état équipe assassin Ariel Henry yo te dit rapide comme ça. Yo voyez munition Galil dans quartier populaire faire moun goumen entre yo, craser tout ghetto, craser tout quartier populaire. Je dis à pour Ariel Henry te ka penser l'anit lever la cacher aux États-Unis. Pour Osmila te ka penser li lever la cacher. Je dis à nous connaît à clair. Bon équipe assassin qui pas pardonner et peuple haïtien mettez à vie de recherche derrière. Jean Tolbert Alexis. Ça c'est chef gang Kwade Boukéa. Jean Tolbert Alexis. Chef gang Kwade Boukéa. Nous en bas code. Ça c'est assassin qui t'a distribué 500 gouttes dans la carrière. C'est assassin qui baille plus d'âmes dans Kwade Boukéa qui pourrit Kwade Boukéa. À vie de recherche derrière chef gang Kwade Boukéa. Qui c'est Jean Tolbert Alexis. Émile Prophète. Émile Prophète, nous connaît qui dit au territoire perdu. C'est femme ça, moi c'est vacabon qui transformé en femme. Moi c'est vacabon qui transformé tête lui en femme. Émile Prophète, avis de recherche. C'est femme ça qui bail plus munitions, plus Galil et puis il dit il y a des territoires perdus. Ça montre à clair assassin ça yo. Yo pa gen droit à voyager dans monde là, yo doit rester là pour tendre la justice pour y al pige peine yo pour zak que yo fait en dans pays. Beto Dossé. Beto Dossé, ancien ministre justice Ariel Henry. Nous connaît nèg sa yo te kembe la on bateau zam dans port de paix. Dossier ça gen maître Robinson qui toujours dans la justice derrière barreau. Il y a un ancien commissaire pour de PA qui est derrière Baro. Mais, Beto Dossé, il y a un cavale. La justice pour que j'en mette main sous Beto Dossé. Gardez figure bien, oui. Là, nous, oui, pour ne pas avoir de chance. Gardez figure bien. Beto Dossé, chef gang, assassin, ancien ministre de justice, sous Ariel Henry. Ça veut dire que c'est le peuple qui mette à vie de recherche derrière. Peuple haïtien mette à vie de recherche derrière Beto Dossé. Beto Dossé, quel que soit côté aujourd'hui, pour le Bois-Calé. En tant qu'assassin, qui te a baillé zam, qui te a fait cargaison zam en dans pays. André Michel, ancien première dame Ariel Henry. Première dame Ariel Henry. Madame Ariel Henry. André Michel. André Michel, peuple haïtien mettait avis de recherche derrière André Michel. Meni, gardez figure bien, oui. Les nouvelles pour nous bal bois calé. Gardez figure bien. André Michel, go tout tous. Nèg ça. Nous connaissons qui te dit boule écrasé, que pays a boule ensemble, Jovenel Bagin doit président. Il y a des figures bien, avis de recherche derrière André Michel. Kenol Mathieu, Nexa, c'est lui qui est chef cabinet, travaux publics. C'est Nexa avec un petit grand monde qui relève Rosemont Pradel, qui écrase ministère travaux publics. Il y a des figures bien, Rosemont Pradel. Nexa a acheté plus que 180 machines. Pour le mettre dans location avec comme travaux publics là. Lâchez plus que 80 machines pour le mettre dans location avec comme ministère travaux publics. Liz Kittel, ancien kidnappeur qui était kidnappé, pasteur Feye. Liz Kittel, monsieur, c'est ancien ministre intérieur sous Ariel Henry. Il était kidnappé, il y a un pasteur d'église pour être madame ni. Gardez figure bien, oui. C'est vrai. Les nouvelles pour nous bal bois calé. Liz Kittel, ancien ministre intérieur. C'est nèg ça qui te kidnappé pasteur l'église Delma 29 là. Gardez figure bien, oui. Les nouvelles pour nous bal bois calé. Liz là, il est en pile là. En pile. Rika Pierre Volé Delco. Rika Pierre Volé Delco. C'est nèg ça qui crase ministère planification. Rika Pierre Volé Delco. Gardez figure bien, oui. Les nouvelles pour nous bal bois calé. Gardez figure bien, oui, international là. Les nouvelles pour nous bal bois calé. Pour ça faut pas m'arrêter, à cause de prison crasé, ça quoi c'est? Pas de prison, nèg ça veut peuple là qui pour condamner. Pas de prison, c'est peuple là qui a défendre tête qui a bail tête justice. Gardez figure bien, Rika Pierre Vodel Elko, qui gagne plus que 500 organisations non valises. C'est sous organisation l'idée que c'est
propre ministère planification. Gardez figure bien, il y a plus que 500 organisations non valises. C'est sous organisation l'idée que c'est propre ministère planification. Majorie Michel, c'est chef gang qui finançait en pile ghetto qui crasait tout quartier populaire. Majorie Michel, gardez figure bien, oui, c'est femme ça qui crasait tout quartier populaire. Ancien ministre femme sous Préval, c'est femme ça qui est les Majorie Michel qui finit avec PIA qui fait petite sorette là, c'est en battant théorie. Wesh, alias Dan Bonbon. Wesh, alias Dan Bonbon. Mais ça, c'est un paquet de Galil, li fait massacre sur un pile dans nous. Gardez figure bien, oui. Wesh, directeur loterie nationale là. Gardez figure bien, oui. Directeur loterie nationale là. C'est nèg ça qui gangsterise pays à plus. C'est lui-même qui fait plus massacre sous peuple dans la manifestation dernière. Kessner Normil, magistrat Pétionville là. C'est nèg ça qui tire 7 nèg besap pour nous, plus que 1000 moun, 7 février 2024 là. Kessner Normil, gardez figure bien, oui. C'est lui-même qui tire 7 nèg besap pour nous dans Pétionville. Les finis fouillons tout le météo. Gardez figure bien, oui. Diaspora haïtienne, gardez figure bien, s'il t'a mis des pieds dans l'international là pour nous bal Bois-Cali. Gardez figure bien, Kessner Normil. Gardez figure bien, s'il t'a mis des pieds dans l'international là pour nous préparer un bois calé pour lui. Gardez figure bien pour nous pas négliger bal bois calé. Rosemila petit frère, avis de recherche derrière Rosemila petit frère. C'est maman gang ça qui gangsterise toute zone métropolitaine. Rosemila petit frère, li rapide CAS de nos jours, madame tonton, non, li dilapide CAS de nos jours, madame tonton, derrière barreau, tandis que Rosemila en cavale. Gardez figure bien, oui, avec comme CAS, elle fait propre radio, propre télévision, parle. Gardez figure bien, oui, avec comme CAS, elle mette n'importe 300 machines dans location et puis elle fait propre radio, télévision. Gardez figure bien, oui. Rosemila petit frère, la diaspora haïtienne. Gardez figi madame ça bien. Chef gang métropolitaine. Madame ça relé Rosemila petit frère. Rosemila petit frère. Josier Pierre Louis. C'est nèg ça qui occupait qui joue rôle secrétaire général palais national. C'est nèg ça qui bail plus gang chablende pour goumer pour massacrer peuple là. C'est nèg ça 1er janvier te mette deux Chablende nan men gang yo pou maspiner peuple la devant palais. Meni, gade figure bien, oui. Josier Pierre Louis. Pierre Richard. Nèg sa c'est li directeur dignité. Pierre Richard. C'est nèg sa qui directeur général dignité. C'est nèg sa qui prend comme dignité à l'acheter en pile Galil, li lagay dans quartier populaire yo pour petite sorette la goumen entre yo. Gade bien, oui. Pierre Richard. Directeur général dignité. Ronald Richemont. Gardez figure bien, oui. C'est nèg ça qui volait téléphone iPhone 14 arabe là. Gardez figure bien, oui. C'est nèg ça qui volait téléphone iPhone 14 arabe là. Et c'est lui qui tuait journaliste Tess Gary. C'est lui même qui tuait journaliste Tess Gary. Et c'est lui même qui t'a aidé bout de bas sauvé pour commissaire Miskade pas de prendre bout de bas dans le sud. Richemont c'est gros volé dans le sud et gros gang, gros criminel, gros assassin. Méchant, volé. Tu as combien de Okaï là, oui? Sur téléphone, là. Comment elle s'est fait voler? Pendant l'arrestation de Okaï, nous avons un iPhone 14. C'est Ronald Richemont qui prend le téléphone, il dit d'avoir le Port-au-Prince. Toute information, Ronald Richemont, tout prend le téléphone, il va avoir aucun téléphone Port-au-Prince. Il dit, chef gang, ça tout, c'est lui-même qui tire, un journaliste très connu, qui c'est Tess Gary dans Okaï, qui était toujours à consolider la bataille, peuple là. Téléphone, va te quoi là? Téléphone nan te gen kòd ben li volè net. Demande kòd la. Li pa mande m kòd téléphone nan. Ah bon pape pou yon pare nou la justice pou diffamation. Pour diffamation qui est. C'est peuple là qui met ta vie de recherche, pas moi-même, non? C'est peuple là qui met ta vie de recherche, c'est pas moi-même. C'est peuple là qui mande mon service. On continue.
m'a compté, OK. On va continuer, voilà, à venir échanger des pour peuple là derrière. Sorel Yacinthe. Sorel Yacinthe, Céline Volet, usine Alsfat et dans grandance là. Sorel Yacinthe. Regardez figure bien oui. Céline Volet, usine Alsfat, président Jovenel Temeté pour peuple grandance là. Regardez figure bien oui. Les Noël pour une balle bois calé. Regardez figure bien oui. Les Noël pour ne pas rater balle bois calé. Nous même qui dans international là ballon en pied nous les nous petit vacabon ça yo pas négliger ba yo ça yo mérité. Ariel Henry Ariel Henry c'est grand monde ça assassin ça qui touye Jovenel Moïse cal caché aux États-Unis. C'est grand monde ça qui participait dans touye Jovenel Moïse cal caché aux États-Unis. Gardez figure bien Ariel Henry grand monde ça qui participait dans touye président Jovenel Moïse cal caché aux États-Unis. Non? Et Edmond Cyprice Bozil, regardez si grand monde ça, c'est lui-même si grand monde ça n'a regardé là, qui mettait aux membres d'elle, qui fait toute bagaille sale pour pouvoir. C'est lui-même qui couche à toute vacabon connait quand dans pouvoir depuis c'est pouvoir. Madame ça dit en bas toute vacabon. Pour le carré pouvoir. Si plus Bozil, c'est lui-même qui mettait Rosemont Pradel crasé ministère travaux publics pour lui. Mais nous, elle bien. Mais si grand monde ça, c'est lui qui mettait Rosemont Pradel crasé ministère travaux publics. Si grand monde ça, elle est Rosemont Pradel. C'est lui-même qui a tout d'aïper sous lui qui crasé ministère planif et ministère travaux publics. Rosemont Pradel. En même peuple haïtien, je dis à ça avec un réel plaisir. Pour me présenter nous, toute gang, tout assassin qui finit avec le pays. Bataille peuple là, continue. Et m'a adressé spécialement avec PM Gary Kony. Dans toute boîte l'État, vous avez gagné un audit pour nous qui ça, quand Ariel Henry a quitté. D'accord. Et ceci, m'a voyé une nouvelle à clair by PM. Nan. Il est vrai qu'on va assassin au poste ministériel, mais poste direction générale, c'est pour mettre les gens dans tout ministère. Comme directeur général. C'est où tu dois mettre Moun comme directeur général dans toute boîte l'État, parce que c'est directeur qui prend le bon rapport de boîte là. Ou pas qu'à bailler dans le ministère pour bailler direction générale là, la craser boîte là, pas qu'on compte rendu pour le bali, la planif, la bien organiser là avec directeur, les piller boîte là, laisse ça c'est peuple qui a payé Côte Gazia. Je dis à moi que ou tu viens travailler, ou que tu fais fly. Parce que moi, c'est même assassin qui finit avec l'éducation peuple là. Et l'éducation de Timounio, c'est eux qui sont dans le cabinet qui sont des Stimaniga. Commissaire TVD et Mandade Olamba, est-ce que c'est. Pas commissaire, attendez bien. Commissaire qui te met Mandade, non, son gang, son assassin, qui t'a fait un job sale pour Ariel Henry. Tout simplement, depuis que j'ai un dossier, je viens à un dossier. Mais mon sa yo, c'est peuple là qui bombe dossier yo. Moi, je viens présenter le devant la presse et tout le monde nous aime présenter yo. À partir de jeudi à même, nous devons marcher chercher yo, ba yo ça yo mérité parce que le peuple n'a pas qu'à souffrir encore, nous pas qu'à continuer à vivre dans l'insécurité ça. Et m'a demandé à tous ces messieurs ghetto yo pour nous coopérer ensemble, pour nous mettre la paix dans le pays. Parce que le pays c'est pour nous lier. Li pas pour Ariel Henry, li pas pour Gary Kony, li pas pour aucun assassin dans la politique ni oligarque. C'est nous même petit pays. Parce que nous-mêmes, nous filmons. Et nous avons fait mettre la tout blague dans le pays, afin de nous abgoumer entre nous. Ils ont volé, ils ont pris un avion et aller. Nous-mêmes, nous étions et nous avons mouru. Je veux dire, il est nécessaire pour tout ghetto de mettre tête ensemble. Même Jean-Moué Magali, habitant, qui atterrit dans l'aviation, qui a fait nettoyage. Je pense que c'est son négociation qui fait. Et qui pas mauvaise négociation. Parce que je veux dire, le pays a besoin de la paix. Et grand action besoin de libérer. Tant que Matissan, tant que aviation, tant que quoi des bouquets, tout grand action besoin libéré. Et pas pour dire c'est bravo, m'tabat pour Magali habitant, non. Mais les gens font bagaille, faut que nous appuyer qui dans ça qui bon. Parce que moi-même, moi besoin évacuer l'occupation. Nous, même en tant que journalistes, besoin évacuer l'occupation. Je dis, nous avons un bagaille qui est plus important pour nous, c'est battre pour nous, évacuer l'occupation, nous, sécurité, c'est ce qui est en priorité pour nous. Sécurité, nous ne pouvons pas dormir sous ça, c'est pour nous tout gourmet pour gagner sécurité dans le pays. Même si nous connaissons un groupe volé, ça y est, si groupe conseil créé, ça y est, volé ou volé. Mais nous-mêmes, nous avons gourmet pour gagner sécurité dans le pays. Voilà, et justement, c'était, pardon, Maslin et président équipe Arabla qui t'a fait parler et sous dossier ça. Bon. L'important, et justement, pour nous te faire autant de Maslin Mitil, équipe arabe là, parce que, et bon, en bataille ça, monsieur Sayo,
nous connaissons, yo sacrifié en pile et pour aider nous sortir et non alors pour aider nous et mener combat ça, d'accord, et voilà c'est ça et bagalaye et gagner un gros combat et n'a mené là, bravo avec équipe blanc et bravo tout avec commandant Guy Philippe que vous entendez tout à l'heure là qui font belle intervention jodi an qui nous souhaiter continuer et partager ensemble avec vous, ou même tout capable continuer partager émission pour faire de l'autre amis capable étendre intervention générale en chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là qui c'est commandant Guy Philippe j'en te dis là et comme ça l'a fait n'a fait une opposition propre. Une opposition constructive en façon pour que nous capables permettre que Haïti et qu'on ait un lot et on l'autre classique. Alors franchement une stratégie de combat ou l'autre façon et de faire comme si nous pas cap faire même pratique yo même maintenant qui t'a craser briser yo nous pas cap venir là nous même pour n'a craser briser même j'avais autour li pas possible, d'accord, faut que l'autre bagaille qui pour faire on va quitter ça continuer, faut gagner un lot bagaille qui pour faire même stratégie même bagaille yo yo pas cap faire même genre et li important pour que nous et fait même et ça commande Guy Philippe Mandéa. Très intéressant. Bataille, j'aime dire là pour continuer. Nous pas camper pour nous garder des voyous, des criminels, des assassins, nos trois cap détruire un pays dans conditions et pareil. N'a pas continuer mettre maintenant patlan pour nous garder commande d'avoir aidé Haïti sorti l'entrée difficile qu'elle nouvelle là. Voilà, question qu'a posé avec un pile monde. Jusqu'à maintenant, personne pas jamais voir côté docteur Garigoni, jamais citer non président Jovenel Moïse dans toute déclaration qu'elle a fait. OK? Et parce que c'est très intéressant pour que nous t'avons gagné et nous t'avons gagné ça parce que c'est très intéressant, ok, et c'est très intéressant pour nous t'avons gagné et pour nous attendre docteur Garikoni parce que c'est très important. On préside pas assassiner nos pays nos conditions pareilles et puis comme si nous avons pour venir là et puis même ça ou pas ka. Non, franchement, c'est comme Zimdadjo. Et on vient là, fait même avec Ariel, dossier Jovenel Moïse a prêté. Et quand on dossier, qui pas intéressant, pas vrai? Nous pas du coup impliqué. Mais qui implique tout le monde connaît, mais de fait, comme l'autre dirigeant, on préside assassiner un chef d'État en fonction parce qu'il a posé des actions. Eh bien, mon cher, vous devez organiser pour que vous faites tout ça qu'on est capable pour préside, pour que lui fait dans le dossier. C'est très intéressant. OK? Et pour que lumière qui fait dans quatre dossiers il est important et faut que nous organiser nous pour nous bataille pour nous commander va aider Haïti sortir la situation difficile effectivement que les trouver là bataille là j'aime dire là l'a continuer parce que Haïti pas capable rester et situation pas capable rester comme ça, faut gagner de l'autre action qui poser. Nous regardons comment nous avons aidé Haïti, sortir l'entrée difficile que les trouver là. Bataille, j'aime dire là, l'a continué sous toute forme. Voilà. Et dossier Jimmy Chérizier alias Barbecue et Pierre Espérance continuer. Et a essayé, bon, voilà, je suis capable de dire. Le Pierre Espérance a essayé d'attaquer Jimmy Chérizier Barbecue. Qui ça gagne pour faire encore? Barbecue définitivement devenu un véritable démon. Et il dit tête les son cadavre. Et fonctionnement, où elle fonctionne un cadavre. Et monsieur dit franchement les même la mort pas mis dans un poli parce que lui ça monsieur envie faire le pari pour lui et il y a un pile policier qui déjà pari pour l'attaquer Jimmy Chérizier Barbecue et que me bail un grand conseil ça un conseil haïtien, OK, et parce que l'on policier a sorti et couteau sorti pour aller prendre l'argent dans mais on série de nèg pour aller monter dans Chablende pour aller rentrer dans ghetto qui gon équipe nèg qui a tête qui cache dans un petit corridor, ou même son chat, l'homme est plus à terre, connaît qui c'est où il a pu. M'baka dit plus, et m'baka dit bodjap. Parce que c'est tout yon tout yon, connaît qu'on a mouru tout. OK? C'est tout yon tout yon, connaît que ou capable mouru tout. Faut nous faire très attention dans toute démarche nous yon. Et voilà. Gagné, et m'capable dit non. De bagay kap passe nan gouvernement Dr. Garikonian qui montre que
y a des monde qui ont metté dans le gouvernement, peut-être il y a des actions qui peut être à poser pour moi-même qui c'est des bonnes actions. Exemple gagné, il y a un groupe haïtien qui était bloqué, alors qui bloqué en Équateur, qui a pris direction pour aller au Mexique, qui bloqué. Personne n'avait pas pièce, avion pas pavlé, pavlé potéo, yo nan yon airport. Et puis et groupe haïtien ça yo écrit sur réseaux sociaux, yo fait appel jusqu'à ce que va arriver côté pour arriver. Maintenant, et madame Dominique Dupuy, OK, madame ça, belle madame ça qui sont capoises, qui c'est actuelle ministre des Affaires étrangères et des cultes et en même temps ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et il rapide vite réagit. Et il parlait ensemble avec l'ambassadeur dans le pays Haïti, dans le pays Équateur, justement pour qu'il réagisse, il prenne aussi ça en charge. Il dit bravo avec jeune madame. Et c'est comme ça, le dirigeant fonctionne. Et au job ou même c'est ça. Et au guide Haïti qui bloque dans le pays, rapide vite ou fait, représenter qu'on dans le pays en réagit. Et il dit bravo, son jeune qui est lié, monsieur qui a pris une sensibilité pour jeune pareil, pour Haïti pareil. Et me dit bravo avec madame Dominique que bon Dieu continue béni ou que bon Dieu garde ou dans job que on fait et fait le bien continue faire le bien n'a supporté ou dans job ou dans démarche ou tout côté qui gagne problème et n'a demandé madame Dominique depuis et pour lui révoquer tout conseil Haïti gagne en Dominicaine pour nous mettez de l'autre monde m'a dit ça avec docteur Claude Joseph ministre Dominique Dupuy révoquer tout ça nous capable les conseil Haïti et Dominicaine conseil d'Haïti Balaona conseil d'Haïti Dahabong, Conseil d'Haïti, République Dominicaine, et Santiago de los Caballeros, Conseil d'Haïti, Santo Domingo, Conseil d'Haïti, et Higüey, révoquez tout. Oui, moi de révoquez. Révoquez tout net. Oui, qui n'est pas touché 7 à 15 millions d'Américains, pas moi, qui pas été le peuple en rien, Dominicani. Fok de représentants solides. Et pas chita la prend plaisir en Dominicani, et puis moun. A puis milliers l'autre bois ou pas faire rien. Non. Il n'y a pas de comme ça. Il faut gagner de l'autre bagaille. Qui pour faire. Madame Dupuy et madame prend ça en charge. Et révoquer tout le monde à l'autre bois net. Révoquer tout net et puis choisir de l'autre monde mettez. Choisir de l'autre monde mettez. Dans tête ministère là. C'est très intéressant pour nous. OK? Et choisir de l'autre monde pour mettre dans tête et. Ministère là pour nous. Fais ça rapide parce que nous pas capable de quitter peuple là continue victime Dominicani et puis c'est pour n'a pas camper mon garder de voir non. Nous pas tolérer. Faut gagner de l'autre bagarre qui pour faire. Et c'est si le plus vite que possible. Pas gagne jette dans ça. OK? Et madame Dupuy, bravo pour vos actions concrètes, continuez poser parce que peuple la gonjé a gardé parce que le nouvelle tête ça vient là même j'ai commandé Philippe Dian et ou capable questionner façon que yo rentre dans l'état mais quelque part tout il a cette façon ça pour yo rentrer et puis capable pousser et griffe pour capable montrer vrai visage yo et poser des actions concrètes qui et pour aller en faveur population civile là et c'est ça qui est important pour nous voilà n'a pas rentrer nous dossier qui est extrêmement important qui c'est dossier et commandant Normil Rameau oui actuellement là qui c'est commandant chef la police nationale d'Haïti Normil Rameau actuel commandant chef la police nationale d'Haïti nous te connaît qui moun qui t'ai humilié Normil Rameau parce que Normil Rameau t'est vraiment à mener des opérations dans zone métropolitaine de Port-au-Prince ou du moins dans département l'ouest là pour aller commander capable sortir dans phénomène gang ça qui t'a bougeonné à l'époque moun ça qui t'ai révoqué Normil Rameau c'était Joseph Jout un petit volé un petit vicieux un petit assassin, un petit gang. Côté voloa, mais voloa. Joseph Jout. Parce que les soirs, l'homme prend machine, moi, je sorti. Parce que. Un vicieux. Gédé le, c'est Jout qui sorti. Gédé le, c'est Premier ministre. Il y a un bluffeur au superlatif. Le fin a fait une stratégie pour le kakaé Jovenel. Pour lui, comme si, bluffer président Jovenel Moïse. Mais plan, c'est déstabiliser tout le monde qui est capable, qui est loyal envers le président. Liwa Luc Pandelil, c'est Moun Jovenel. Monsieur compétent, monsieur qui est volonté, il fait tout ça qu'il est capable pour humilier Luc Mandelil. Monsieur, en dedans de voloa. Là, il a parlé avec les gens de bien. Et il va se tenir compte de ça l'affaire. C'est pour qu'il humilie le chef de police là. Qui se nomme Normil Rameau, en dedans de ça, à l'époque. Il
Il y a un scandale dans la rue, il y a bruit, plusieurs machines ont couru derrière, deux, trois négazam. Ça, c'est le Premier ministre. Mais le jour où tu as sorti, tu as sorti pour col. Gardez le paraît non station, je parle de policier. L'homme parle avec le directeur général de la police, là, je me dis, attendez, qui côté m'a pas trop aujourd'hui, hein? Les dîmes. Mais le mal, il m'a pas. Attendez. Gon problème dans la police. Gon problème. Menti, oui. Un monde, c'est ou chef ou pas chef. Ou chef prend responsabilité ou l'on passe l'ordre, c'est pour l'exécuter. Moi-même, je suis fatigué. Et me clair, je dis ça là, devant la télévision, devant le président de la République là. Devant ministre de justice là, excusez-moi, je n'ai pas qu'à changer à 59 ans. Je suis bien content, je menti même à tout le monde pour prétexte. Je n'ai pas qu'à faire prétexte. Ou pas mettre un premier ministre pour venir pour prétexte, ce n'est pas ça qui intéresse ou même. Et l'oreille ou fâché, je suis obligé de baisser bas parce que je n'ai pas qu'à raison. Je n'ai pas qu'à venir raconter, oui, président, roche manger cabrit, cabrit manger roche. Non! Cabrit pas gen dent, roche pas gen bouche. Blouf. Moi, clair sur ça. Moi, pour mettre sécurité, ma baille. On moun, ou voulez faire job là, fait. Ou pas voulez faire tout, bah, on l'autre moun fait. Parce que moi-même là, comme premier ministre, moi, compte gen 200 moun. Qui besoin premier ministre? Blouf, pour moi, comique li. Non, c'est vrai. Moi compté, moi gagne 200 moun qui besoin premier ministre. Maintenant, on a de monde de bien. On a retiré vice ça sur écran. On a le directeur Normil Rameau qui t'a parlé avec le président lui-même directement. Sans qu'il n'ait pas envie d'adresser avec Tivo les sur écran, chef de gang, sa zami ou ça, qui est le Joseph Jout. Normil Rameau. Processus, non. Parce que l'équipement la permet que la police l'y remplit mieux, rôle et puis l'y accompli mission qui s'est servi à protéger. Il y a un principe, Excellence, un homme, une mission des moyens. Nous ne sommes pas capables, je dis, pour ne pas avoir une comparaison entre manque d'équipement et la compétence. Et la compétence, tout le monde a une formation académique. Moi-même, personnellement, je fais infanterie militaire. Je compte ça m'a fait. Et je prouve déjà, dans le cadre d'opération de Terminator 1, il y a plusieurs arrestations qui sont faites. Même son professionnel, m'a travaillé. Et opération ça, le peuple a pris au courant. Surtout, assassinat, petit bébé qui fait sous Gantia, il y a 8 arrestations qui fait. Il y a 8 arrestations qui fait, il y a une incursion qui fait, il y a une opération qui mène en base, sans Marozo, il y a une arrestation qui fait. Et opération a continué. Opération Terminator 1, il est étalé sur une période de 6 mois. Son période de 6 mois. Et pendant 6 mois, nous prenons le travail pour nous rétablir les conditions de sécurité dans le pays. Mais pour rétablir les conditions de sécurité dans le pays, Gombaga est important. Parce que le travail de la sécurité n'est pas seulement un travail de police. L'aller au-delà n'est pas seulement un travail d'équipement. Équipement. N'a pas amélioré, n'a pas acheté équipement, mais il faut nous acheter équipement qui répond à la réalité. Si je par exemple, moi j'ai des kits, comment des kits pour courir derrière un kidnapper qui sont en foreigner. J'ai un problème électrique, éclairage, pas d'électricité, parfois les peuples arrivent la police, et bien la police. Il n'y a pas qu'à aller dans une série de zones. Problème d'électricité. Parfois, les rivières ont une grosse barricade qui dépassait ce que nous voyons. Ça veut dire que nous avons besoin d'un bon 4x4 pour la police, c'est-à-dire qu'elle est capable, visible, pour le faire travailler. Et l'autre bagage qui est important, c'est le rôle citoyen. Parce que le problème de la sécurité, tout citoyen, tout son rôle, il faut dénoncer par la police. Eh bien, gang armé, groupe armé, qui va habiter? Il va habiter même côté avec tout citoyen. C'est là que je demande tout pour leader communauté. Si il y a information, il faut partager renseignement à la police. Parce que information vitale, information les mêmes gens, avec nourriture comme on a besoin pour manger. La police a besoin d'informations. Et il y a un bagage qui est important,
dans le cadre d'une opération tactique, eh bien, il m'a des patience et la précision. Parce que patience à la précision, hein, dans toute opération, il faut éviter dommages collatéraux et effet de surprise. Et l'opération qui est lancée là, pas de monde qui te connaît que l'opération ça t'a lancé. C'est ça qui fait à plusieurs reprises, je demande qui est l'opération faite. Moi, toujours dit, il n'y a pas ni date, ni l'heure, mais la fête quand même. Et une autre chose, je voulais dire que la police n'a était l'ennemi juré des bandits. L'ennemi juré des bandits. La police est seule force détentrice de la violence légale. Et sous commandement, il n'y a pas de bandits qui ont fait la loi. Il n'y a un problème de manque d'équipement. C'est des gilets niveau 4. Mais c'est vous-même qui avez préparé. Des gilets niveau 4, là, ils permettent que les policiers, unités spécialisées qui sont sur le front, eh bien, sur le front, ils peuvent résister à n'importe quel assaut, Jean-Madame Nanté dit là, des armes de calibre 7,62. Premièrement, dans le théâtre d'opération, il faut que les policiers lui-même soient en état. Et ça fait, pour toute opération qui est réalisée, c'est opération qui fait sous base et fait surprise. Étant donné nous pas cap mettre toute stratégie de la police là sur la voie publique, nous travaillons et nous rétabli les conditions de sécurité dans le pays. Et m'a profité tout pour me bailler la population garantie. Très bien. Que la police nationale là, l'a fait tout ça qu'on est pour lui faire la population et eh bien lui gagner. Perle en tête. Il n'y a pas pensé à l'insécurité. On a pris le travail pour que la population haïtienne, que ce soit la population qui est en diaspora, et haïtien qui est en diaspora, et haïtien qui est en Haïti, moi, je garantis que tout gang armé, ils seront démantelés. Très bien. Ils seront démantelés, ils seront conjugués au passé. Ils sont conjugués au passé. Mais qui côté Joseph, je te gagne plus gros problème là. Parce que monsieur Pavle tende pour parler de attaque traque gang, bataille contre gang. Parce que dans les montres, ou lui-même, ou il fonde la sécurité. Mais gang, non, c'est pion Joseph Jout, parce que Joseph Jout, avec, et comme si système n'a font seul, c'est des éléments clés. On a mis pour système, non, parce qu'il y a besoin de gang, non, il travaille pour ne pas vendre zam, qu'à vendre balle, il va venir dans des chefs folies, il parler de ça. Là, où est volonté manifeste la directeur général, non, il fait tout ça qu'il est capable. Pour le faire évoquer le directeur général, là, l'humilier en public. Ou bien aller en prison, ou bien nous neutraliser, et puis pour y aller joindre Satan, le diable, pour y aller joindre Baron. Je ne sais pas si je m'ai demandé, l'aimant d'équipement, comme technicien, je ne sais pas pour qui ça m'a d'équipement. L'aimant de tel type d'équipement, je ne sais pas pour qui ça, parce que c'est moi-même qui connais pour qui ça, je ne sais pas pour qui ça, je ne sais pas pour qui ça. Et passion, moi, c'est arrêter bandit. Pendant le Premier ministre dit, moi-même pas dormi depuis que je n'ai pas arrêté bandit, parce que vie moi est faite pour m'arrêter bandit, c'est travail moi. Et je demande que pour accompagnement du Premier ministre, pour nous jouer l'équipement nécessaire, et je pense que l'équipement n'est pas bien suffisant en matière de police, mais avec le peu, n'a fait le maximum, n'a baillé le maximum. Le Premier ministre, je demande un équipement, je connais qui ça m'a demandé, je connais pour qui ça, je connais l'objectif là. C'est comme qu'a fait sécurité de la rien d'un pays. Voilà, et justement, merci en pile et directeur Normil. Et naturellement, je cite vraiment sage. Pendant que Joseph Jout, baron, criminel, vicieux, volet, assassin, tape humilié. Bravo, vous avez réagi en professionnel en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti. Mais justement, job la vote qu'on finit, où tourner? Où tourner, qu'on y a ou dans la réalité? Ils sont l'autre réalité. Port-au-Prince, ce n'est pas même Port-au-Prince. Ou qui est Port-au-Prince? Qui était comme président de la République, qui était élu démocratiquement, qui était nommé comme chef de la police. Eh bien, pour le point de sortie qui était là, il y a tout le président là-dedans. Même assassin président, il y en a la police là. Il y en a la police là, il y en a la police là. Même assassin président, il y en a la police là. Et vous connaissez, très bien. Parce que vous avez mis au trempé dans l'assassinat président. Est-ce qu'on parle maintenant? Est-ce qu'on parle pour lancer un assaut pour marier des criminels notre or? Qui n'a tout le président? Mais naturellement, ça a besoin premier de sécurité. Non, mais Rameau. Est-ce qu'on est capable? Pour bonne sécurité, il faut capable de marier les gens qui ont 20 âmes. Les gens qui ont 20 balles. Et par la suite,
n'a privé de patcha ti ganga sa pat la. Ou du moins nous utiliser meilleure formule là qui c'est formule que commandant Guy Philippe toujours pone ya. Commandant Guy Philippe, ça est extrêmement important pour que nous-mêmes nous partager l'ensemble avec vous. Pas de aucun pays dans le monde entier qui sorti dans la misère dans son développement grâce à aide humanitaire. Ça va en fait. Donc aide humanitaire pas aider nous sortir, c'est nous haïtiens à travers ça que la voie endogène de développement pour nous arriver côté on arriver là. Voie endogène de développement, ça veut dire que haïtiens nous-mêmes nous faire pays à produire, nous faire pays à venir et créer richesse dans le pays à bail travail faire tout bagaille à partir de propres moyens nous, de propres ressources nous et de aide de qualité que nous cap joindre dans quelques partenaires et étrangers qui vraiment veulent aider Haïti. Merci nous Chita. N'a pas tenu aide humanitaire qui n'a pas dit à 24 ou 60 millions de gouttes, 60 millions de dollars à passer pays à Nazaré pendant à créer toutes les ressources. Si n'a pas chita, vous êtes que c'est blanc qui a dicté politique. Il y a l'homme dit blanc, pas le dit blanc américain seulement, non, n'importe blanc, n'importe étranger qui a essayé de dicter politiquement. Alors là, c'est là le problème. Merci beaucoup, commandant. L'autre question que nous avons posée, vous parlez de développement durable, développement économique, qui plan ou gagner pour l'économie, pour capable stimuler la croissance économique et diminuer la pauvreté qui a ravagé le pays d'Haïti. Mais pour mettre la croissance économique, pour créer une richesse, pour un fort produit, nous n'avons pas un pays pour importer, importer, importer. L'on prend pas d'exportation et d'importation. Nous importons trop. Donc ça fait que tout le temps nous avons besoin de dollars américains pour nous faire des transactions. Pour nous acheter ça que nous avons besoin dans le pays, ça vient créer inflation. Et puis dans le pays, depuis que vous créez inflation. Et depuis que vous créez inflation, vous avez une pauvreté. Donc il faut que nous créions inflation. Et ce que nous avons créé inflation, c'est pour nous produire et c'est pour nous exporter. Nous ne sommes pas capables d'importer, importer et importer. Et créer des jobs, inviter, créer des conditions pour nous inviter. Nous venons investir dans le pays. Et surtout, comme nous dans le Caraïbes, faire tourisme vient vraiment en pôle. Côté nous avons employé des milliers de monde et créer richesse. Merci beaucoup, commandant. Dans le domaine de l'éducation, commandant, qui plan vous avez pour améliorer le système d'éducation nous en Haïti? Nous connaissons à chaque fois des manifestations dans Port-au-Prince, peuple n'a pas à l'école. Et si nous avons fait presque une année, il n'y a pas à l'école. Qui plan vous avez pour améliorer le système d'éducation pour que le peuple soit capable de venir une éducation de qualité? Premièrement, il faut que nous soyons avec l'éducation à deux vitesses. Ça veut dire si nous avons l'argent, nous avons un type d'éducation, d'enseignement. Et si monde qui sont dans la section communale ou bien pauvre là, ils même vivent dans l'autre. D'ailleurs, professeurs, même le plus souvent, ils n'ont fait cours ni dans le lycée, ni dans le privé. Mais après, ils n'ont jamais raté. Cours, ils ont allé dans le privé, côté pays en pile. Et pendant ce temps, ils ont le lycée, c'est un jour, une fois comme ça, vous passez. Et dans la section communale, ils ont un bon problème que les gens qui ont fait éducation, les gens qui ont enseigné, parfois, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de niveau. Nous comprenons que le pays a manqué de ressources humaines, mais il faut que nous-mêmes, comme l'État, nous puissions stabiliser nous pour nous former, éducateurs, nous, pour nous former, les gens qui peuvent former, les gens qui sont dans la section communale et dans le nord-ouest, puis dans le nord-est, ou n'importe quel côté dans le pays. Il faut que nous arrivions à un examen baccalauréat, un examen baccalauréat dans les dernières années. Il faut que nous même niveau que les gens qui sont dans le nord-ouest, dans le Saint-Louis Gonzague, dans le Mélalou, dans n'importe l'autre, qui l'école, et n'importe quoi, nous ne sommes pas capables de faire. Nous avons une équipe ratée, nous avons une équipe ratée. Ça veut dire que les gens qui sont pauvres, ils sont condamnés pour le pauvre, ils sont condamnés pour le raté, ils ne peuvent jamais passer dans l'examen. Et par exemple, pour rentrer dans la faculté de l'État, et quelques rares qui sont des génies nés, des gens qui exceptionnels, mais en majorité, c'est comme ça lié. Donc, il faut que l'État prenne l'éducation en main, et il faut que l'État ait un programme pour assurer que tout le monde suive le programme que l'État met en place là. Mais... Donc, après tout, nous avons, à cause de gens, l'éducation en fait pour le prince, nous avons cette. Allô, semble nous perdre du commandant pour un petit moment. N'a pas essayé assurer que le peuple a cap joint de soins dans les malades. Et donc, nous pensons qu'en Haïti, nous avons des médecins qui bien formés, qui assez bien formés, nous avons un pile infirmière et qui pas même travail. Donc, c'est l'État. Aïe, aïe, aïe. Technologie, pas fait ça, technologie. Hein? Ou Jérémy, qui c'est chef lieu et département de l'Ouest. Si on fait un accident, là, et Jérémy, on va venir en orthopédiste, c'est voyez dans le sud, dans le cas et dans l'autre côté. Donc, je pense que ce n'est pas mon baguette formé, qu'on y a et la question de santé en Haïti, non. C'est que l'État a une politique vraiment visée pour faire santé arriver sur tout le monde. Donc, je pense que faut qu'on est sérieux
penser à faire santé à tout le monde et pour nous mettre des centres de santé dans la section communale et des centres hospitaliers dans ensemble et communes nous et des hôpitaux de référence dans deux ou trois départements. Bon, c'est ça pour nous faire. Et on l'état sérieux qui apprend sur le public, c'est ça l'a fait. Merci beaucoup. Ou touche un paquet de points importants, ou touche l'éducation, ou touche la création de richesse, agriculture, tout le bagaille, ou touche la santé. Donc, moi, bien content que ça soit une priorité pour nous, tout Haïti. Vous connaissez, merci. C'est vous-même qui leader le peuple à Konye là, commandant. Faut me parler avant de bagaille ça, yo. Non, mais on va dire que le point que vous dites là, point ça, est très, très, très important, surtout production nationale, non, et surtout et pour nous réduire l'importation que nous avons fait, pour nous augmenter l'exportation que nous avons fait, surtout pour nous faire développement et industrie touristique là. Il faut que nous fassions développement touristique là. En même temps, il faut que nous accompagnions l'agriculture, nous protégeons l'agriculture, nous, pour les paysans qui ont cap vivre de ça le produit. Je pense que si nous avons l'État vraiment soucieux, nous voulons mener un côté pour nous bien abriver. Bon bagay, bon bagay. Wap bien passé là. Mounio dit wap bien passé, commandant là. Ok, commandant. Bon, moi, je dis tout ça déjà. Je ne vais pas aller en privé avant et moi, je dis tout ça déjà. Moi, je ne vais pas aller à Kem. Je ne suis pas politicien, je fais politique, même bon politicien, je ne suis pas là. Ça, moi, quand je suis bon pays, il m'a dit. Ça va garder mon monde fâché, ça va garder mon monde pompé, ça m'a dit pour le peuple, pour le pays, m'a dit. C'est comme ça, c'est comme ça, m'a prêté. Comment dans son gros déclaration fait là, ou pas là avec cœur? C'est toujours comme ça, bon, mon cher, m'a prêché ça. Ça veut dire, ou qu'on sort d'im là, ou dit mon pas hypocrite, ou son monde qui franc, ou son monde qui dit vérité, m'a prêché ça, commandant. Bon, moi essayer parce que comme tout le monde nous connait pas menti, mais moi essayer dit que moi vérité tout ça qui vient pour avec Surville, parce que entre nous faut nous fatiguer, ouais, et misère ici a passé tout partout, faut nous fatiguer, ouais, j'ai traité nous tout partout et on peuple qui gon histoire tant que ça nous gagne hein, ni là pour nous battre pied non, pour nous reprendre comme figure non, et vous nous dire OK mais Haïti a. Mais avant tout, il faut comprendre que frein développement Haïti, frein qui fait Haïti pas capable, rivière côté rivière, c'est pas politicien corrompu Haïti seulement. C'est pas eux, c'est pas eux même. C'est pas voler oligarque Haïti, c'est communauté internationale là qui empêche Haïti de joindre route. Parce que si Haïti te joindre route, si Haïti te capable choisir mon niveau, oligarque ça, on va pas capable faire corruption y a faire là. Politicien corrompu ça, on va pas capable faire des choses y a faire dans pays parce que tu as bien loi et tu as bien action pour nous neutraliser. Mais malheureusement, il n'y a jamais quitté Haïtien dirigé Haïti. Malheureusement, blanc toujours pensé que le connaît. Et ça que l'on syndrome du colon. Colon a toujours oué nous comme esclaverie et comme monde que l'occupé. Il n'y a jamais vraiment gagné respect pour nous parce que tu es déjà colonisé. Nous, il était traité comme esclave, tant que ça me daille. Mais jusqu'à présent, je dis encore, il n'y a pas qu'à admettre que c'est monde. Et c'est ça qui a expliqué tout ça qui a passé en Afrique de l'Ouest. Je dis à là, et ça qui a expliqué une série de mouvements qui a pris naissance dans l'Amérique latine et qui vient un jour pour l'arrivée à Haïti. Et la privée à Haïti. Moi, entièrement d'accord ensemble avec vous. Nous avons entré qu'on y a là, nous entrons dans l'infrastructure. Pour nous déplacer sur un côté, pour aller l'autre côté en Haïti qu'on y a là, route qui t'a fait 15 minutes, il prend que pour 2 ans, 3 ans. Qui comment compte attaquer le défi infrastructure en Haïti, surtout dans la zone rurale? Bon, là, on parle de l'infrastructure routière, par exemple, j'aimerais on parler à là. Moi, c'est que le président il préval qui comprend plus ou moins la nécessité pour nous gagner au-delà. Là, il a décrit, ça a décrit, il a acheté un paquet de matériel, et c'est foncé, et après, c'est le président Jovenel, devine la caravane, c'était pour continuer dans la même logique. Ça. On pensait que ça, c'était des bonnes initiatives, que malheureusement, que nous pas gérer bien, que nous. Et pas de comprendre. Et la question de transport, on va parler de mon nom. Bon, c'est Jean-Claude Duval qui est venu avec Konatra. Et c'était deux voix, l'autre nègre qui est venu après eux. Pour être continué sous même lancée. Et le conseil, on va avoir des problèmes de transport et route, j'en vais parler là. Mais malheureusement, nous venons des gouvernements de corrompus. Et nous avons pris le même matériel que l'État a acheté et avec. Comme taxe, nous, nous faisons un million cadeau, nous faisons une création de compagnie pour faire route dans Port-au-Prince, et chaque kilomètre de route qu'on y a là a coûté Haïti $1 million. Peut-être que Haïti n'a pas un comme ça, et nous connaissons pas un comme ça, mais pour chaque grand kilomètre qui a fait, pour nous payer $1 million. Le président Jovenel a commencé à faire bagarre d'asphalte dans le sud, dans le grand dans l'autre côté, malheureusement, nous connaissons que si aventure président Jovenel a fini,
Nous comment on a écrasé, nous avons humilié, nous avons détruit tout un peuple, nous avons comment on fait. Même parce que l'infrastructure routière, je vais parler à nos besoins, si nous avons besoin de développement touristique, il faut que nous ayons route. Si nous avons besoin pour de santé tout partout, il faut que nous ayons route pour l'ambulance passer, pour les malades besoin à l'autre côté, sortir d'un point A en point B, puis aller. Et nous pensons que l'infrastructure routière là pour n'importe qui aurait la priorité, mais route n'est pas obligé aussi cher, j'ai envie de dire que nous appelons là. Il est trop cher, il y a un petit pays pauvre dans Haïti, il n'est pas capable de payer 1 million de dollars américains par kilomètre de route. En Afrique, il y a des pays qui ont plus d'argent, dans le Nigeria, dans le monde. Il y a une pile route secondaire qui va coûter tout comme ça. Nous pensons que ce modèle ça pour nous plus suivre, au lieu que nous suivre modèle route États-Unis, modèle route la France, modèle route et l'Angleterre. Nous pas pays ça, nous pas gagner avantage pays ça. Pays ça a des bons gros avantages. Pendant 3 siècles, nous avons 2 millions de monde qui travaillent pour nous gratis. Pendant 3 siècles, nous avons été pillés. Nous avons fait ça au vœu, tout le monde, pour travailler forcé. Nous avons gagné ça nous-mêmes. Nous pas gagner avantage. Nous avons été gagné pour faire le monde venir tant que bête, tant que bourrique, venir travailler pour nous gratis. Donc nous-mêmes, il faut que nous vivions avec ressources, nous, avec ça, et il y a des modèles qui plus qui de nous, l'Afrique, l'Amérique latine, moi je suis sûr que nous avons fait un pile route qui n'est pas coûté aussi cher, un pile kilomètre de route, et dans 5, dans 10 ans, on dit là, pour Haïti vraiment, bien un réseau routier, côté nous avons desservi la population à toute dignité, et pour nous respecter, nous avons fait embarquer dans des camions, dans des barons, dans des bus, qui vraiment répondent à nos mieux. Merci beaucoup, commandant. Là, on nous traverse qu'on y a dans la gouvernance avec leadership, style leadership. Qui Jean ou qu'a décrit et style leadership ou à qui Jean style leadership sera capable de bénéficier pour les Haïtiens? Moi, c'est le leadership qui a été besoin sont un leader responsable qui est en Haïti. Mais qui paraît à aucun étranger sans que il ne va pas faire arrogance à aucun pays. Ça veut dire nous ne sommes pas aucun monde. Aucun monde ne va aimer. Mais que tout le monde connaît que Haïti, ressources, il faut qu'il y ait là pour servir le peuple. Il faut qu'il y ait là pour aider les petits. Il faut qu'il y ait là pour aider nous sortir de la pauvreté extrême que nous avons là. Donc, moi, c'est ce type de leadership ça que Haïti a besoin. Un leader responsable, un leader qui prend et pays et à cœur. Et qui dit, OK, mes problèmes nous gagnent, nous des problèmes, ça, j'en suis dit là dans l'agriculture, mais qui j'en ai résolu. Touristes nous ont dit camper, mais qui j'en ai débloqué. Et pour créer les conditions, par exemple, tout investisseur vini, pour son besoin d'être qui fort, ou bon leader qui fort, qui gagne population à l'aide, qui gagne peuple avec, et puis qui dit, monsieur, attention, je vais être là fini. Mais ça fini, récréation fini. Mais qui dit qu'on vole, on connaît. Attention, depuis au fond, seul tiré, ouais, dans le volet comme l'État. Non, volé dans la douane, ou bien dans l'ONA, ou bien dans la douane. Il y a un exemple clair. Tout le monde a pris la main. C'est parce que là, il y a un exemple clair qui vous mettre fin à la corruption, qui fait nous vivre côté de l'hiver. Donc, je pense que les leaderships qui ont été mis en sont des leaders forts, on ne peut pas jouer avec le monde. Le monde qui pense que le cap passé à côté pour le détruire, nous stopper immédiatement. Nous neutraliser immédiatement et après que tout le monde a pris la main. Et c'est parce que c'est ça qui bat l'imbécile qui pas prend. C'est parce que nous, on veut, les gens, nous, fait tout ça, fait sous nous. Exactement. Sot qui baille imbécile qui pas prend pendant on dit ça commandant dans domaine gouvernance il y a un problème qui a crasé pays qui est la corruption qui mesure spécifique ou pral prend pour combattre corruption en dans gouvernement là leur arrivé président pays d'Haïti. Tout dit là. Tout ça sont dit là. Tout parler une fois là. Il est capable résumer tout problème nous soulever là à corruption. Corruption, c'est problème là. Que problème on rencontre dans l'éducation, que problème on rencontre dans l'agriculture, que problème on rencontre dans l'industrie touristique nous bloqué, que problème on rencontre dans l'hôpital nous bagain, dans route nous bagain, toute seule cause c'est corruption. Donc lutte contre corruption, faut que sans merci, sans pitié. Et c'est ça que fait moi dit yo, et on pas comprendre. Il y a joué parce que toujours qu'on est, que toujours un blanc, un secteur, qui a bien appuyé, qui a fait des ordres, il y a voulu craser, j'ai voulu voler comme nous, et par exemple, pour construire Haïti, après, blanc a tourné avec comme premier ministre. C'est ça qui fait que, il y a fait n'importe qui bagarre, il connaît depuis, il y a une bénédiction blanc. Il y a fait ça, il y a voulu. Nous avons besoin du gouvernement pour mener lutte, là, on dit, la contre corruption, mais sans pitié. Et ça fait moi dire, avant bataille, ça a commencé, avant pour nous mettre, bah, là, sous Riley. Ça que moi dis, faut qu'on amnistie, faut qu'on chita parler, faut qu'on reconnaisse que nous-mêmes. Et l'homme dit amnistie, le plus souvent au déformé samedi, pour dire que me dit ma amnistie gang. Non, moi dis, faut qu'on amnistie pour toute classe, pour tout le monde, parce que tout le monde est responsable.
ça fait là. Et je dis à si nous gagnons Nexao, nous gagnons Iso, nous gagnons Barbecue, nous gagnons Vidélo, nous gagnons tout Nexao, c'est corruption de bail. Si au lieu de voler tout cob que vous baillez, ou tout cob Haïti rentré, pour faire du développement, pour créer une richesse, pour réduire la pauvreté dans le pays, si vous n'avez pas de voler, puis acheter villa aux États-Unis, villa et gros building dans ce domaine, si vous n'avez pas de voler pour bailler ménage ou madame, belle machine, belle bagaille, si vous avez investi pour des petits mondes dans le quartier, qui a souffert dans le quartier, côté misère extrêmement, peut-être nous allons arriver côté nous là. Et nous, même société, nous n'avons pas de responsabilité, nous, parce que nous toujours été croisés bras et battre bravo, même les devant jeunes, nous avons que ce même système dans le cas devant nous qui sortit pour le voler et tout ça paye à gagner. Donc, moi, je pense que la corruption, c'est lui qui source tout problème. Tout le monde, si pas bien corrupteur, pas bien corrompu. Qui est-ce qui est le plus corrupteur? C'est le gros pays qui dit ses amis d'Haïti. Et vous n'avez pas que je dit qui est extrêmement important. De pas faire tout ça qu'on est capable pour que vous suspendez avec corruption dans le pays d'Haïti, ou pas besoin de gagner la paix. Écoutez, par exemple, Abinadel monté comme président et premier mandat, c'était en 2020. Et un an après, monsieur déclenche une bataille contre la corruption. Mbaba nous menti, c'était rat de marée. Mais à tout ça, non. Est-ce qu'on la Dominicaine n'est pas boule, il pas crasé pour ça? L'État, la justice, gagne des preuves tangibles et que nego dilapide l'argent l'État. Qu'est-ce l'État? Eh bien, de fait, font l'État ça, nego dilapide, hein? Eh bien, yo questionne nego. Ça nego fait son mavel. Comme nego volé, yo va le serrer dans l'autre pays, non? Yo construit une quantité d'appartements, building, tête chargée, chaîne d'hôtel, resort. L'État saisi yo. Yo arrêté nèg yo meté en prison yo saisi la yo saisi yo frise contre banque nèg yo saisi l'argent nèg yo par contre tu comprends même si nèg a volé mais still rete patriote li volé oui mais still rete yon dominique qui remet la dominicani ça veut dire sale volé a li fait développement dominicani ensemble avec elle mais qui t'a là peut-être pour ta servir tout monde oui tu comprends mais il pas choisi faire il dit volé mais l'état maril mais en Haïti c'est contraire et batalan lui doit continuer tu comprends comment nèg Philippe la pareil 14 milliards de pour mettre nous. Comme nous sommes rentrés, ça ne fait pas avec nous. Faut que nous venions répondre. Nous avons volé, nous crasé, nous brisé. Et puis, après un an, comme nous passons pour voir encore, nous croisons les bras, nous venons jouer comme là, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit à Paris, et que ce soit en Haïti ou aux États-Unis, en toute impunité. Et puis, qui a créé une mise. Comment a dit Philippe, justement, qui a été coupé la dernière? Richesse. Voilà. Qui, Jean. Qui plan ou gen pour adresser problème sécurité ak renforcer l'armée ak la police en Haïti? Parce que mon jeune garçon m'a parlé ensemble avec lui avant qui a vu ce domaine, il est Meko. Meko dit tant prie docteur Lamou de pouvoir parler avec commandant Guy Philippe, président chéri, non, poser question ça à moi. Il dit comme ça que la parle avec Dominique, il dit peuple haïtien, c'est le peuple côté frontière libre moun ka rentre Jean Rouvlé. Elle proposait le président Guy Philippe pour ta gon là, mais il y a 4 millions de monde et lui même la rentrée là-dedans, ils n'ont pas besoin de payer lui. Qui j'en pour renforcer problème, résoudre le problème de sécurité et renforcer la police acclamée dans le pays d'Haïti, commandant Guy Philippe? Premièrement, il faut que la police nationale acclamée a servi le peuple haïtien. Il faut que ce n'est pas l'ambassade qui a baillé au l'ordre. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions le contrôle de la sécurité pays. Nous n'avons pas qu'un bon pays souverain. Mon pays chef qui a dit que c'est l'ambassade américaine, qui a décidé qui est le chef de police, qui a décidé qui est le ministre de justice, qui a décidé qui est le commandant en chef de l'armée, qui a décidé qui est le gardien, qui est le ministre de gardien, qui a décidé la bête d'embargo sur nous, ou bien la bête d'embargo sur nous, son deux âmes, et freiner tout mouvement qui peut être fait pour craser l'insécurité. Nous songeons, et il était bon ministre et dans le gouvernement président Jovenel, qui a essayé de bloquer, barricader une série de zones pour te mener. Et pour des bails de sécurité dans la zone, nous songez, mais ça va cap camper dans deux, trois semaines, il faut que le vol aller. Donc c'est parce que c'est blanc qui a décidé qui est le nouveau bail de sécurité, qui type de sécurité nous gagne, et qui l'a pris au quitter nous tomber dans le chaos, laisse ça bon pour nous. Premier bagage pour nous faire, c'est pour nous reprendre le contrôle sécurité. Non. Pour pas aucun monde, aucun autre peuple, aucun autre pays qui a dit qui gens pour nous faire sécurité dans le pays. Non. Sinon, c'est nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui pouvons faire sécurité pour Haïti. Ça, c'est mon bagage. Deuxièmement, moi, dans la même, faut éduquer le peuple. Faut le peuple comprendre. Faut pas occuper le monde qui a bien dit Haïti pas besoin de l'armée et qui a parlé bel français de l'armée budgétive. Tout c'est menti. Si c'est domaine, il y a une croissance là. Dans l'industrie touristique, c'est grâce à l'armée, à la police qui font le travail. Parce que l'armée qu'on y a là, il n'y a pas une dépense. L'armée, c'est un investissement. Dans l'état moderne, l'armée pas dépense. L'armée, c'est un investissement. États-Unis investissent tout comme ça dans l'armée, c'est pour dominer le monde et prendre ça avec n'importe qui côté.
C'est pour ça l'investi. République dominicaine, l'instabilité, l'insécurité, c'est pour mettre des conditions pour les gens venir investir pour tout risque. Et comme Guy Philippe, justement, l'a coupé. Une fois par an, il fait 3 jours ou 4 jours. Gardez-vous qui c'est quoi qui t'a rentré dans le pays. Mais malheureusement, même si mon ta envie d'entrer en Haïti, l'obligé pour un petit gars à ce domaine. Et pourtant, c'est Haïti qui l'a venu. Nous permet un petit clic, parce que pas de quelqu'un papa ou bien maman qui a accepté, mais un petit de mon côté, côté qu'on est au cap kidnappé, au cap douillet. Mais si nous devons mettre conditions de sécurité dans le pays, nous avons garanti 4 millions. Haïtiens plus ou moins, nous avons dit nous gagnons les États-Unis, combien nous gagnons la France, ou bien combien nous gagnons le Canada, ou bien c'est le même autre pays, nous avons rentré. Même si on cas, même si mon ati est rentré, même si on cas est rentré, c'est un pile comme qui a rentré dans le pays, il a pris dans plusieurs secteurs. Donc moi, je pense que c'est que l'idée son bagage qui est primordial, même lutte contre corruption. Et il ne parle pas là, il faut que nous gagnions en sécurité. Mais il faut que Haïti accepte ce punch que le supposé faire dans l'armée avec la police. Il n'y a pas un secret pour aucun monde que la police a gangrené. Il n'y a pas un secret pour aucun monde que force publique, le monde qui a baillé de sécurité, en pile là-dedans, corrompu. En pile là-dedans, on travaille avec gang, en pile là-dedans, on travaille avec corrompu. Donc, il faut que nous fassions plus ça. Il faut que nous fassions nettoyage ça, en dans la police. Il faut que nous fassions nettoyage ça, en dans l'armée. Il faut que nous baillions payer à chance. Mais ce n'est pas un grand avec nègre, ce n'est pas un acheter figure monde. Oh oui, tout ça, la police, c'est bon. Oh, non, ce n'est pas vrai. Au fond, tu es Abdou, au fond, tu es. Au fond, des hommes, nous dépassons les limites, il n'y a pas de tout. Il y a pas de côté. Donc c'est ce genre ça. C'est ce qu'on a pour approcher le problème de sécurité dans le pays pour nous faire des chances pour nous trouver là. Merci beaucoup, commandant. Dans la gouvernance et leadership, il y a un bagage qui est important qui est la transparence. Qui j'en veux assurer la transparence et la responsabilité dans l'administration de l'OVN président du pays d'Haïti? Ce n'est pas un président qui peut assurer la transparence. Nous tous sommes humains, non? Nous tous des faiblesses, non? C'est la loi. C'est la loi pour assurer que les institutions institution pour nous renforcer, c'est pouvoir pour nous faire institution pour faire travailler en toute liberté et pour nous freiner la corruption. Le président doit encore corrompu tout, mais si le président est corrompu, il faut marier. Le premier ministre doit encore corrompu tout, mais si l'entrée dans la corruption, il faut que marier, il faut que nous créions, il faut que nous mettions des mécanismes côté nous capables de contrôler, mais ça a bien trop pouvoir dans les mains. C'est sous eux, c'est eux même tout pour faire comprendre que même eux-mêmes ne vont pas voler. Et là, ça, tout le monde a obligé de couper. À la loi. Moi, c'est la loi qui vous l'a, c'est la loi pour nous créer. Bon, nous avons une belle loi, une autre loi pour nous gagner, pour nous mettre sous pied, pour nous comprendre en sérieux, pour nous voter bonne loi et pour nous permettre que Haïti joigne le plus. Ce n'est pas le président, non, qui pour sérieux. C'est la loi pour ne pas jouer, ni à président, ni à aucun monde. Et puis, il faut que nous comprenions en sérieux pour aider à forcer l'institution. Eh bien, c'est parce que je parle avec le président sérieux qui fait me poser une question. Comment on va l'assurer que ça a accompli dans le pays? Parce que je connais son homme sérieux. Dans la conversation que j'ai avec vous en public, je regarde de loin. Moi, je suis même un monde qui a un cœur pour changer le pays. Et les choses ne sont pas faites dans le donc, là, il y a une tête là, ou même qui a alimenté le corps, je crois que il y a une transparence et une responsabilité d'administration. Là, les gens font des choses qui ont pour arrêter. Ouais, et c'est ce type de pays ça, mais j'en ai, ou voler comme pays, ou entrer dans la corruption, ou à faire sous-soubre, à faire espion pour un gouvernement étranger en Haïti. C'est ça l'Haïti, moi, n'est-ce pas, c'est espion, c'est tout les États-Unis, et bien c'est de plus tout le Dominicain, et puis tout le monde connaît. Et puis après l'eau, il y a beaucoup de pression, oui, moi, je vais parler avec le bourreau, ma foi ministre, ma foi directeur général, qui paye ça? Qui paye des choses ça pour chaque petit ambassadeur qui rentre, ou bien qui diplomate qui rentre, je pense que son pro consulier, il y a une bail l'autre dans le pays. Il faut que nous soyons suspendus. Il faut que nous reprenions poste grand monde. Et nous prenons poste grand monde. Il n'est pas facile. Et nous n'est pas facile là. Malgré toute insistance peuple, malgré tout appui peuple, tout support peuple, nous n'avons pas hésité hésiter pour le bon nous. On conseille 9 membres, il va hésiter pour le bon qui va même une carte électorale, qui va même vivre en Haïti. Il va qu'on a rien. La question Haïti, qui est impliqué? Et qui va jamais bailler. Aucun bagage comme encore pour construire Haïti a passé parce que le CIH, parce que le ensemble avec Belle Rive, parce que c'est eux qui ont pris toute décision. Il n'y a pas même cap d'une qui s'est fait avec l'agence, blanc ribbon, tout le monde dit nous, et nous tous connaissons blanc, il n'y a pas de faire rien. Faut nous joindre un chef de l'État, qui veut mon chef de l'État, qui met pantalon et dans l'État coup du Valais de faire un jour, pour son ambassadeur rentrer dans la politique d'Haïti, pour nous dire, monsieur, mettez-le dans la pays. Persona non grata! Exactement.
OK. Faut ça arriver. Faut que nous connaissions que nous sommes pays souverain et c'est ça arrogance, c'est pas arrogance à faire aucun pays non. C'est pas arrogance ça fait, nous pas contre aucun monde. Mais c'est faut que nous tracer exemple ça, faut nous mettre balise ça pour tout le monde connaît que Haïti son pays sérieux. Qu'on a un bon savant, bon savant nous là. Son savant. Mhm. Dis-moi qui l'égalité gouvernement ça a gagné aujourd'hui là. Donc il y a un exemple pour des cob sous nos pays d'Haïti. Mais ça va le prendre pour le sien sous nos pays d'Haïti. C'est ça que fait moi-même avec l'équipe. Nous écrit l'ONU, nous écrit OEA, nous écrit la justice haïtienne pour nous dire que nous-mêmes, peuple haïtien, tout ça n'est que ça prend, tout ça abstient, tout le appel pas engagé peuple haïtien. Et nous ne pouvons pas mettre ça, ça n'est que ça, ça au bail n'est que ça. Même j'aurais offert le Tchad, même j'aurais offert ce que actuellement là au Niger. On nous entre qu'on y est là dans l'autre domaine, nous allons entrer dans l'expérience passée ou à conflit qui gagne en pile, mon a parlé. Quel genre d'expérience qu'on fait dans le passé qui préparait ou qu'on y est là pour le président du pays d'Haïti? Je dis que bon expérience qui préparait pour le président d'Haïti. Rêve, moi, c'est pas pour le président d'Haïti. Rêve, moi, c'est vrai que mon Haïti juste. On a été égalité, on a été côté petit monde dans la section communale la cap vive. On a été côté jeune garçon avec jeune femme, elle finit étudier, elle vient faire effort la ville, elle a une ouverture pour vivre avec dignité. Je ne vais pas rêver d'un président, je ne vais pas rêver que tout le monde en Haïti a des millionnaires, a des super riches, non. Moi, juste rêver mon pays côté public à content. Nous avons vivre dans la misère, non. Nous avons vivre en toute modestie, ce que nous avons demandé, rien. Dieu merci, Haïti cap fait. Nous avons assez de ressources. Dans ce sol, nous pouvons faire. Nous sommes cette discipline pour nous mettre, c'est là mon pays à bon gain. Donc, encore une fois, ce n'est pas une expérience qui mène mal la question et ça, parce que nous pensons que c'est le président, non. Nous pensons que c'est côté de me lever, dans les provinces, côté de me sortir, que je sois à l'Empestel, que je sois à l'Emouanamet, côté de me vivre, que je sois à l'Emjiré, mais n'importe quel côté, bouer mon Dieu. Qui m'a mis par là, qui m'a mis, jouer au football par exemple, bien content pour nous, jouer domino avec eux, tendez et parce que c'est expliqué ça, mon ak moun parler ensemble et puis ouais misé moun yo ouais jan moun yo bon malgré ou nan misé ça et puis qui vient dit bon faut gen des moun qui font bagarre pour changer ça bon ça. Merci. C'est pour ça que mon proposition. Merci beaucoup commandant. Dans expérience militaire ou gen un background militaire qui influencé approche ou parler ou aller en Équateur ou battre ou premier moun nan classe là, bravo commandant. Tout côté passé, toute initiative côté pour en tant que militaire, en tant que commissaire, en tant que monde qui était ouais pays à une situation qui difficile et pour te faire intervention pour te aider pays. Malheureusement, grand pile monde qui vole l'île ça en amour, mais grand pile monde qui gagne inquiétude sur conflit qui était gagné dans l'année passée. Comment capable répondre à inquiétude monde ça sur Guy Philippe que nous gagne aujourd'hui? Ça va si monde que semaine ça va gagne monde qui vole aucun lutte quand même. Je te vois le lutte vraiment vraiment dans le passé. Je vois le 86 dans mes jeunes haïtiennes. Je vois le 2004 dans mes équipes qui sont vraiment passé. Je te vois un bon changement. Malgré qu'il y a des gens qui va te comprendre nous, qui va te marcher, ça c'est normal. Mais je me souviens ça, non. L'évolution a bien marché. L'homme dit, il y a des gens qui disent, comment la bien marché? Mais c'est bien là. Même pas ça. Président, pas quoi, oui, comme ça. Ou dit un gros bagage là. L'évolution a bien passé. Pas la veine, non. Oui, la bien marché. Révolution a bien marché, révolution a bien passé, parce que révolution ouvert chez les Haïtiens. Révolution a mis blanc ensemble avec la colitio. Ils sont tous ensemble dans une seule boîte. Ils sont tous ensemble là. Donc si nous avons échoué, blanc n'a pas dit que c'est Haïtien qui échoue. Tout le monde voit que c'est blanc qui impose nous, parce que les Haïtiens ont fait choix. Donc blanc impose le gouvernement ça. Blanc obligé de montrer qu'on a une certaine réussite dans cette affaire là. Soit regardez, il y a un gros calotte là dans Kenya qui est venu qui ouvre juste en octobre. Malgré que de promettre nous que rapidement sécurité et que police qui a venu par la sécurité. Tout le monde demande ses bluffs, tout le monde connaît ses conseils actuels, Kawa utile, Kawa bambouyo, insécurité à bambouyo, pour qu'on continue à piller, voler. Et j'aime dire dernièrement, c'est pas un hasard pour être venu à bouler Kaye en bas la ville là. Qui s'apprend une net gang d'agien pour bouler Kaye? C'est l'autre qui rejoint parce que pas les mounou tourner dans la zone ça. Il y a besoin de zone ça, il y a besoin de voler bagaille qui est dans la zone ça. Donc, révolution a bien marché parce que nous-mêmes, nous avons fait peuple à comprendre ça. Révolution a bien marché parce que nous faisons blanc, fait bac deux fois. Blanc, parce qu'on a habitué à faire bac. Nous faisons faire bac avec Ariel Henry, nous faisons faire bac avec Pape de Transition en Transition, nous faisons faire bac et nous continuons à faire bac. Parce que mobilisation, Pape campé, nous continuons à dénoncer, mais nous faisons une opposition constructive.
Nous pouvons faire construire opposition, boule, écraser, briser. Non, nous avons fait opposition pour nous aider le peuple à comprendre, bagaille, et pour le peuple à lui-même comprendre que c'est lui qui suppose moteur pour le changement. Donc c'est ça, comme je dis, je me sens que le peuple a marché, le mal n'importe côté dans le pays, je me sens que le peuple a comprendre, je me sens que le président Jovenel a fait un travail ouvert, je me sens que les jeunes garçons, les jeunes femmes qui veulent le changement, je me sens que Haïti en général, que l'on dit espoir, que l'on a Haïti, veut le changement, ils comprennent le vrai problème du pays, parce que longtemps tout le monde était idéalisé blanc, longtemps tout ça en blanc, c'est depuis le bon cas maintenant pour l'on a Haïti. Oui, c'est vrai, l'ambassade américaine, tout ça, non, nous connaissons ce qui est assuré, et nous connaissons le premier frein à développer Haïti. C'est le premier corrupteur. C'est le premier de corruption en Haïti pour eux-mêmes dominer et faire ça ouvrir. Donc, je dis à pays à comprendre ça. Et bientôt, on va voir que le peuple a dit ça, le peuple a réussi. La plus grande côté pour le VA. Révolution a bien passé. Nous avons même bien 6 mois depuis de lancer la révolution. Regardez tout ça qui est en fait. Justement, révolution a beaucoup de 6 mois vraiment. On a dit, voilà, et juillet qu'a fait nous 6 mois, 1er juillet. Fait nos 6 mois depuis que la bataille s'est lancée. On est dans le pays jusqu'à maintenant, la révolution a bien passé. Comme Adam Philippe Baron, l'autre et stratégie de combat, c'est nous ne pouvons pas le faire, opposition, craser, briser dans la rue Port-au-Prince. Gary Kony, peut-être, n'a pas mis le temps pour que l'IA organise, peut-être la va faire bagaille. Et garder comment nous avons fait, monsieur, qu'on est que c'est haïtien lié, et l'IA doit faire bagaille pour le pays. Et nous avons besoin de combattre. Ok? Merci en pile tout le monde. Rendez-vous à Cassitale comme ça pour notre édition. Moi, je vais nous en pile. Que mon Dieu bénisse chaque grand nous qui t'attendait. Et regardez l'émission. Que belle la balague.